Bonsoir à tous, c'est la deuxième partie de cette grande soirée. Nous sommes à nouveau sur tous les réseaux de Quartier Général et de Révolution Permanente. Et je suis avec Anas Kazib, avec qui je co-anime cette, cette longue soirée de live, 4 heures. Voilà, donc euh, désormais, nous passons à un deuxième plateau consacré euh, non plus au bilan des luttes, mais à la stratégie à adopter désormais avec. Un certain nombre d'invités politiques que nous allons vous présenter tout de suite. Euh, à ma droite, Éric Coquerel, député France Insoumise. Bonsoir. Bonsoir. Gaël Quirante. Bonsoir. Syndicaliste et membre du NPA. Tout à fait. Nathalie Artaud, porte-parole de Lutte Ouvrière. Bonsoir. Statis Kouvlakis, qui est euh, un intellectuel un... qui a été professeur de philosophie au King's College à Londres et qui est désormais membre de la rédaction de Contre-Temps. Bonsoir. Et qui s'exprimera ce soir à titre individuel. Bonsoir. Oui. <laughs> Bonsoir. Youssef Rakhni. Bonsoir. Bonsoir que les habitués de QG et de Révolution permanente connaissent bien. Oui. Militant antiraciste et membre du comité La vérité pour Adama. Et enfin, Daniela Corbet. Daniela qui est membre de la direction du NPA. Et de Révolution Permanente. Et qui est, comme euh, mon Exactement. ami Anas, Exactement. de la direction de Révolution Permanente. Alors, de quoi nous allons parler euh, bah, Bonsoir déjà à toutes et à tous, et également à toutes celles et ceux qui, euh, qui nous regardent ce soir. Il y avait plus de 2500 personnes qui ont regardé la première partie de cette soirée exceptionnelle qu'on a appelée euh, Deux ans euh, de lutte et maintenant. Et vous avez bien compris que la première euh, séquence de, de, de cette soirée était notamment autour de la question de. de ce mouvement des Gilets jaunes en passant par la réforme des, des retraites, le mouvement euh, des quartiers populaires euh, durant le confinement, mais également euh, qui s'est poursuivi euh, euh, au mois de juin avec le comité Adama après la mort notamment de, de George Floyd et qui s'est poursuivi jusqu'à euh, aujourd'hui encore autour de la question de la sécurité globale. Le, le constat qu'on fait toutes et tous le but n'est pas de... De, de faire des récits, mais d'essayer de... Nous, on s'est dit avec Aude, il faut mettre les, les pieds dans le plat, en fait, dans la situation. C'est-à-dire qu'on est, est peut-être tout et tous d'accord, après vous pourrez dire si vous avez des, des nuances avec, avec ce, que, ce que je vais dire, mais euh, qu'on vit une période depuis ces deux dernières années qui est euh, sans précédent, en tout cas dans, dans l'histoire euh, moderne du, du, des, des mouvements sociaux et autres, que ce soit avec l'émergence de ce mouvement des Gilets jaunes, que ce soit avec la grève... Euh, contre la réforme des retraites qui a duré plus de 60 jours avec une certaine un retour d'une forme d'auto-organisation des coordinations qui ont émergé et d'autres et puis ça s'en est poursuivi avec l'émergence notamment de mouvements forts impulsés par, par, par les quartiers populaires autour de la, de la question des violences policières et bien sûr il y a un élément central dans ces deux ans c'est cette crise sanitaire du Covid-19 qui non pas uniquement à l'échelle nationale mais à l'échelle planétaire qui a frappé tout le monde et qui notamment et combiné avec une crise économique et dans toute cette période-là que ça soit en France avec les gilets jaunes avec les mobilisations dont j'ai parlé il y a aussi à l'échelle internationale un certain nombre de choses qui se sont passées en Algérie au Liban en Équateur au Chili en Bolivie etc et parmi les, les précédents intervenants on voit que chacun a, euh, esquisse un bout de raisonnement de ce qu'il faudrait faire etc et nous le, le thème de ce deuxième plateau c'est pour ça qu'aussi vous êtes toutes et tous des dirigeants euh, politiques, ou en tout cas, euh, 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 Statis <laughs> a été euh, <laughs> un ex-dirigeant de, de Syriza euh, 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 en Grèce, un membre du de comité Syriza. De, de, de Syriza et qui a rompu en, en 2015, de mémoire, euh, à l'été 2015. Euh, on veut poser cette question centrale qui est que faire Bien sûr, avec euh, humilité et modestie, parce qu'on ne dit pas qu'ici euh, va se trouver euh, la solution. Mais vous savez, euh, les gens qui nous regardent, ils ne comprennent pas bien. Tout, et, et, et tout. est tout, c'est-à-dire il y a des gens qui vont dire on ne comprend pas pourquoi on ne voterait pas tous Mélenchon en 2022. Il y en a d'autres qui vont dire mais de toute façon Mélenchon ça va rien changer du tout. Il euh, euh, y a des gens un peu de tout qui disent euh, un peu d'institution, un peu d'élection, peut-être législative, mais aussi euh, de la lutte de classe. Il y a les quartiers populaires qui vont dire euh, ⁇ nous, euh, la gauche, ça fait 40 ans qu'elle ne nous calcule pas ⁇ C'est un certain nombre de questions auxquelles on, on veut essayer de, de, de rentrer dans, dans le, le, le vif du sujet ce soir. Et euh, ma première question euh, va être euh, pour Statis, Kouvelakis. Euh, euh, savoir Statis, qu'est-ce que tu penses de euh, euh, ces deux ans et notamment de, de la crise, et qu'est-ce que euh, cette situation elle dit en termes organisationnels euh, euh, au, Du fait qu'on a l'impression que jamais le pouvoir a été aussi fragile, on dit qu'il y a une crise euh, organique, comme disait Gramsci, qu'il y a une crise d'hégémonie du pouvoir, on peut le constater, qu'il y a une forme d'autoritarisme aussi qui commence à s'accentuer, mais que d'une part, c'est aussi une faiblesse du capitalisme et de sa dégénérescence aujourd'hui, mais de l'autre côté notre camp social on va dire au sens large on a l'impression qu'il euh, est euh, quasi un peu à l'atonie ou en tout cas faible et que ce euh, que soit les gilets jaunes que ce soit les quartiers populaires que ce soit les mouvements contre la réforme des retraites on a l'impression que les directions traditionnelles du mouvement ouvrier qu'elles soient politiques ou syndicales n'arrive pas à s'en sortir en fait aujourd'hui n'arrive pas à capitaliser n'arrive pas à proposer un, un, un que faire dans la période et une stratégie où les gens se diraient euh, on, on se range derrière derrière vous qu'est-ce que tu penses de, de cette période là bien alors je, je suis dans les grandes lignes d'accord avec ce que tu as dit Yannas simplement je mettrai le, le point de départ du, de la séquence dans laquelle nous nous trouvons non pas en 2018 mais en 2016 en fait hein, avec euh, euh, la, loi, la loi travail, euh, le mouvement nuit, de, nuit debout, parce que là, on a, je dirais, un, un, une combinaison de, de, de choses qui se passent en partie nouvelles des deux côtés hein, de, la, de, de la barrière sociale. C'est-à-dire, on a une aggravation, une accentuation de l'offensive néolibérale capitaliste, d'un côté, euh, une accentuation de la crise politique qui se trouve derrière et qui a conduit à cette configuration totalement stupéfiante de la... Euh, présidentielle de, de 2017 et d'un autre côté des, des vagues successives de mobilisation sociale dont en partie certaines renouent avec des fils que nous connaissons déjà pour ceux ici qui ont un certain âge. Je pense à Éric, à Gaël, bien sûr. C'est notamment en ce mois de décembre 2020, c'est le 25e anniversaire du mouvement de novembre-décembre 1995. Il ne faudrait pas quand même oublier cette grande vague de, de mobilisation ouvrière et ouvrière et populaire qui a profondément ébranlé le pouvoir de, de, de l'époque. Et ce qu'on remarque, c'est que la crise s'approfondit des deux côtés. C'est-à-dire, d'un côté, du côté du pouvoir, on a un bloc bourgeois qui est en train de s'unifier, déjà à un niveau assez avancé, je dirais, derrière Macron, désormais leader incontesté, en quelque sorte, du, du, du bloc bourgeois en France, qui se lance dans une fuite en avant néolibérale et autoritaire, et raciste et xénophobe, euh, et de l'autre côté, des vagues successives de mouvements sociaux vous en avez certainement parlé dans le, lors, lors du débat précédent. Qui mobilisent de façon significative, peut-être sans atteindre l'ampleur de ce qu'on a connu il y a, je dirais, 10 ou 20 ans, ou 25 ans, mais en tout cas qui mobilisent des secteurs sociaux tout à fait significatifs, mais qui n'aboutissent pas. Alors, est la... moi je crois qu'on est dans une situation de très grande gravité, très très grave. Il y a un danger évident, c'est celui d'une résolution autoritaire, fascisante de la crise. On voit déjà. Les ingrédients de tout cela se, se émerger, euh, à la fois du côté du pouvoir, du côté de l'État et même de, du cœur hein, de l'appareil d'État. Ce qui se passe avec la police, c'est un véritable phénomène de fascisation, euh, à mon avis. Euh, et c'est le pouvoir macronien qui déroule le tapis rouge. Et d'un autre côté, comme tu le disais, Anas, une incapacité de notre côté à faire émerger une alternative. C'est ça. Moi, je dirais urgence, alternative. Et, et là, on a une très grande difficulté parce qu'on comprend bien qu'il y a diverses temporalités qu'on a du mal à gérer. Alors, je, je ne vais pas, je veux pas monopoliser la parole plus longtemps, mais euh, tu, tu l'avais évoqué avant. Je viens de l'expérience de la Grèce. Moi, j'ai parfois une impression de déjà-vu en France, hein, de, de ce qui se passe hein, avec, euh, avec Macron et même avec Hollande. On a l'impression d'une thérapie de choc en un peu plus prolongée, en quelque sorte, que ce qu'on a vu en Grèce, où tout est tombé d'un coup en, en quelques mois, à la limite. Hein, et une réaction populaire prolongée, euh, combative, mais qui n'arrive pas à aboutir. Bon, en Grèce, on a pu avoir l'impression, le sentiment, euh, qu'une alternative euh, existait. Et elle a même réussi à gagner les élections, ce qui est une prouesse inégalée jusqu'à présent en Europe, et c'est pour ça que je crois que cette expérience doit nous interpeller. Il n'y a pas d'autre expérience en Europe dans l'après-guerre d'un parti situé, on peut discuter de la caractérisation, mais disons à gauche de la social-démocratie, venant de la gauche radicale, qui réussit à avoir quasiment une majorité absolue à lui tout seul. Donc les raisons de, cette, de cet échec très très grave, de ce véritable désastre, sont à analyser et à, de, de, de près. Et, et si on n'a pas quelques lignes rouges par rapport à ça, un certain nombre de propositions politiques en France, à mon avis, posent des problèmes très sérieux. Alors, Stati, c'est directement entré dans le vif du sujet. Euh, en évoquant le pire, à savoir l'idée que le fascisme puisse s'emparer des énergies qui ont été libérées par la colère euh, récemment. Est-ce que c'est une. Je m'adresse peut-être à, à Gaël ou à Eric Coquerel qui ont été un petit peu interpellés. Est-ce que c'est une possibilité, vous qui connaissez un peu de près le, le pays, qui vous semble crédible Est-ce que c'est un, une bifurcation euh, qui pourrait effectivement. Euh... Que pourrait connaître le pays vas -y, vas -y. Euh, Très franchement, est-ce que les capitalistes ils ont besoin aujourd'hui de cette dérive fasciste pour mettre en place leur politique euh, Aujourd'hui, ils, ils déroulent les gouvernements successifs, que ce soit Hollande, que ce soit Sarkozy, que ce soit Macron, ils ont déroulé leur politique sans trop de difficultés. Euh, et en fait, euh, les FAG, euh, moi je suis tout à fait d'accord avec toi sur la, la temporalité que tu prends, 2016, mais ce qui est en fait euh, surprenant, c'est que tout ça a, a débordé toutes les directions traditionnelles du mouvement ouvrier. Si on prend, euh, y compris de la gauche révolutionnaire, euh, si on prend 2015, euh, état d'urgence, euh, COP21, on nous disait quasiment que c'était euh, minuit dans le siècle, et en fait quelques mois après, mobilisation de la loi travail qui ont marqué une rupture. Importante. Euh, moi, je dirais euh, la naissance, y compris l'émergence d'une avant-garde militante dans la jeunesse euh, au sein du mouvement ouvrier euh, qui a rompu avec le Parti socialiste, euh, avec justement un rapport avec l'autodéfense, la, euh, la réaction avec euh, la police. Mais euh, face à ça, euh, moi, je ne parlerai pas d'alternative. Quelles propositions ont été formulées Loi travail, une démobilisation énorme en juin 2016. On passe l'été septembre 2016 euh, un rendez-vous qui est un rendez-vous qui demandait des suites et aucune des directions euh, syndicales CGT Solidaires ne propose ces suites bon mais par contre ça fait euh, je veux dire euh, on est ici un certain nombre euh, malgré le fait que Statis euh, mais euh, oui. méchamment vieilli euh, euh, tout à l'heure on est enfin euh, moi ici j'ai que des amis et des camarades Bon, et on s'est rencontrés, parfois avec des divergences, des débats, euh, des confrontations, mais dans la chaleur de la lutte des classes. Et la vérité des prix, c'est que euh, dans la situation actuelle, ce qui est surprenant, c'est qu'alors qu'il n'y a aucune boussole qui n'est donnée par les directions euh, syndicales et politiques euh, qui ont pignon sur rue, il y a des mobilisations sans cesse. On a vu, tu l'as dit, loi travail, gilets jaunes, mobilisation euh, dans la jeunesse étudiante, SNCF, RATP, c'est pas chronologique ce que je dis là. Et encore là, on nous expliquait quasiment après euh, euh, l'assassinat ignoble de Samuel Paty qu'on n'allait pas avoir de réaction de notre camp en plein confinement, en plein confinement, et on a des mobilisations lycéennes énormes, on a des enseignants qu'on n'attend pas au rendez-vous euh, qu'on leur avait fixé, à savoir celui de l'Union républicaine, mais plutôt le fait de se battre pour euh, juste pouvoir euh, travailler. Euh, dans des conditions de santé et des normes sanitaires saines, et une réaction aujourd'hui, qui va dans la lignée quand même, euh, j'ai Youssef euh, en face de moi, ça serait euh, outrageant euh, de ne pas en parler, qui va dans la lignée des mobilisations qu'il y a eu contre les violences policières, et qui ont été ouvertes depuis le bas, pas depuis les directions syndicales. Tam le dit souvent, tout le monde vient une fois que c'est gagné, et rejoint euh, les mobilisations, mais les initiatives... Euh, type front social qui ont regroupé de manière modeste, hein, euh, mais euh, dès le lendemain de l'élection de Macron, des manifestations euh, importantes et qui regroupaient des militants syndicalistes de la CGT, de Solidaires, des fronts de lutte, les gilets jaunes. Ces débats-là, l'alternative, elle se fait dans la chaleur de cette mobilisation-là. Et par rapport à la question que tu posais initialement, euh, pour l'instant, franchement, euh, oui, il y a une dérive autoritaire. Mais euh, dire que la police nous empêche de nous réunir, nous empêche d'intervenir dans les entreprises, dans les quartiers, euh, oui, elle le fait, mais elle ne le fait pas comme dans un État euh, fasciste. Il euh, n'y a pas de euh, destruction euh, de nos organisations syndicales, ouvrières. Alors ça ne veut pas dire que si euh, toute cette avant-garde militante euh, dans la jeunesse et ouvrière trouve les connexions, trouve les stratégies, trouve les voies pour imposer un autre pouvoir, que celui des patrons et euh, des capitalistes, il n'est pas dit que ce, cette éventualité-là et ce ressort ne soient pas utilisés, mais ce n'est pas ce qui est à l'ordre du jour. Euh, euh, une question pour, pour Nathalie par rapport un peu à cette, cette question de pré en préambule sur euh, cette séquence et notamment en tant que toi, euh, militante politique, etc., en tant que euh, porte-parole de lutte ouvrière, on sait que euh, euh, vous êtes amené aussi à, à répondre sur certaines, euh, à certains moments, que ce soit euh, législatif ou, euh, ou au niveau des présidentielles. Comment en fait, dans cette séquence de lutte de classe, on va dire, comment en fait, une, une, une organisation politique importante aussi, qui est celle de, de lutte ouvrière, historique aussi dans, dans, dans son implication dans, dans le mouvement ouvrier, comment vous euh, voyez-vous surgir en fait ces euh, ces mobilisations qui, au-delà même de lutte ouvrière, mais que ce soit le NPA ou la France Insoumise, pour ne citer que ces trois organisations, paraissent parfois débordées, en fait. On arrive et on voit les gilets jaunes et on n'a pas une implication de direction. On voit le mouvement des quartiers populaires, il y a déjà plus de 80 000 personnes devant le tribunal de grande instance sans même que des organisations d'extrême-gauche appellent. Comment chez lutte ouvrière, vous voyez cette séquence qui est en train de s'ouvrir et qui se renforce aujourd'hui moi, je crois que, clairement, il y a une, une accélération, une aggravation de, de, de la crise, de la crise économique qui est prise de plein fouet par le monde du travail. C'est une évidence, avec les licenciements, avec tous ceux qui sont retrouvés là. Euh, euh, sans contrat, mais voilà, qui, qui, qui faisaient des heures hein, de, de, euh, parce qu'ils étaient intérimaires, parce qu'ils étaient contractuels, ils se retrouvent sans rien aujourd'hui. Et c'est des centaines de milliers de femmes et d'hommes aujourd'hui, y compris ceux qui sont au chômage partiel, qui se retrouvent euh, sans euh, les, euh, les heures sup ou les à côté qu'ils pouvaient avoir dans leur boulot, qui se retrouvent avec 500, 600 euros de moins à la fin du mois. Enfin, c'est la catastrophe sociale qui est intégrale. Et. Euh, tout ça, euh, ça touche, je crois, toutes les catégories sociales. Ça déborde. Ce n'est pas seulement, effectivement, la classe ouvrière, le cœur même de la, de la classe ouvrière, des précaires ou des, des intérimaires. C'est l'ensemble des catégories sociales avec aussi une fraction importante de la petite bourgeoisie. Et moi, je suis frappé à chaque fois que j'entends et que je vois euh, les euh, commerçants, les, les restaurateurs, les, les bistrotiers, de voir leur rage leur rage de se retrouver dans cette situation-là, leur colère, et euh, moi je pense que effectivement, toute cette situation-là elle est lourde de menaces et que les mobilisations qu'il peut y avoir, y compris du côté de la classe ouvrière, du côté de la jeunesse, et qui aura forcément, qui aura forcément, et d'ailleurs on les voit déjà, ces mobilisations-là, elles n'annulent pas le danger euh, de, de développement d'un mouvement, d'un courant fasciste. Bien sûr que non. Précisément, tous ceux qui ne savent plus, hein, qui, qui voient leur vie foutue par terre, qui, qui savent plus vers qui regarder, qui effectivement ont aucun espoir du point de vue de la gauche, qui ont perdu justement espoir dans la droite qui les représentait de façon classique, ils vont se retourner, ils vont se tourner vers qui Ils chercheront sans doute des solutions des... et peut-être même ils seront dans les méthodes dans l'action violente, bien sûr. Donc pour moi. Euh, tout ça, on a les ingrédients, je suis tout à fait d'accord avec ça. On est dans une situation qui est, euh, euh, qui, qui, qui est lourde de danger. Et moi, je le sens comme une course de vitesse comme une course de vitesse, une espèce d'urgence qu'on a, nous. Euh, qui euh, euh, sommes du côté, en tout cas nous, les ouvrières, du côté du monde du travail, du camp des travailleurs, qui qu effectivement, euh, eh bien, ils s'expriment politiquement, qu'ils entrent sur cette scène politique et qui défendent leurs intérêts, qui se battent pour défendre leurs intérêts, qui représentent les intérêts de la grande majorité, les intérêts vitaux de, de l'écrasante majorité de la population avoir un emploi un salaire qui permette de vivre une retraite pouvoir payer des études aux enfants se loger dignement etc donc mener ces combats là mener ces combats-là, et en menant ces combats-là, eh justement, eux, ils sont capables effectivement euh, de combattre véritablement ce grand capital qui est en train aujourd'hui d'agir comme un rouleau compresseur sur toute la société, et y compris qui écrabouille justement une partie hein, de ces fractions petites bourgeoises. Si les travailleurs se battent de façon résolue, déterminée, avec un programme hein, pour euh, euh, faire payer justement le grand patronat, les capitalistes, pour les contester, pour les mettre sous contrôle, oui peuvent attirer, y compris une... la jeunesse, j'en ai aucun doute, mais y compris une fraction de cette, de cette petite bourgeoisie qui pourrait regarder du côté de la réaction, qui pourrait chercher une vengeance justement contre les travailleurs, hein, dont on, on les entend souvent nous expliquer que leur situation, c'est parce qu'il y a trop, trop, trop d'assistés dans la société, hein, parce qu'il y a trop de fonctionnaires. Il ben, y a aussi beaucoup, voilà, il y a une pression aux idées anti-ouvrières. Il y a une, voilà, une poussée réactionnaire dans la société depuis déjà de, de, de longues années. Donc, oui, tout ça peut, se, euh, peut euh, encore une fois, euh, s'exprimer de façon, de façon grave, très menaçante. Mais, bien sûr, moi, je pense que les travailleurs, ils vont avoir des combats. Ça va être une nécessité pour eux de mener ces combats. Il leur faut une politique. Il leur faut une politique. Il leur faut une politique révolutionnaire. Il faut qu'ils aient confiance dans leurs forces, dans ce qu'ils représentent, dans la capacité, non seulement de défendre leurs intérêts, de, de se défendre, de défendre leur peau, mais de changer la société, de renverser le capitalisme, de renverser la bourgeoisie, parce que c'est aussi ça qui se pose aujourd'hui. Aujourd'hui, on arrive à une crise de l'économie capitaliste, une crise du capitalisme. Je ne parle pas de néolibéralisme, moi. C'est une crise du capitalisme. Voilà. On est confronté à un capitalisme pourrissant, parasitaire, qui est de plus en plus irresponsable, aveugle, et qui nous mène, effectivement, à la catastrophe, à la catastrophe sociale, mais avec tout ce que ça charrie, Hein, de, de saloperies racistes, misogynes, euh, de, de, de racisme, etc., etc. Alors Eric Coquerel, Nathalie Artaud vient de formuler le, le, voilà, le, la peur d'une coagulation fasciste dans le contexte que nous vivons, et notamment dans, celui, dans le sillage de la crise du Covid. Bon, on sait que le programme euh, L'avenir en commun et Jean-Luc Mélenchon cherchent euh, depuis des années déjà, hein, ça date des années euh, précédant la présidentielle de 2017, à apporter justement une réponse à ça, à retrouver la confiance euh, du, du, du vote ouvrier, notamment euh, après euh, des, des décennies de trahison par la, la gauche social-démocrate on sait aussi que en dépit de, des meilleures intentions du monde en dépit de votre présence depuis, incontestable depuis le premier jour aux côtés des gilets jaunes en dépit de votre présence aussi aux côtés des grévistes contre la réforme des retraites on sait que euh, le, le, le chemin de, de, de ces consciences là de ce, de ce vote là n'a pas été totalement euh, retrouvé D'abord, j'aimerais avoir votre analyse sur ce, je ne qualifierais pas ça d'échec, il est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, bon, mon sentiment de, voilà, de patinage. Et est-ce euh, et quel... et, et que vous pensez, par ailleurs, chose très importante, que Jean-Luc Mélenchon, en annonçant déjà sa candidature pour 2022, donc euh, en réitérant voilà, le, le geste un homme, un peuple et euh, un parti gazeux autour, est-ce que c'est la bonne réponse à la séquence Extrêmement intense de lutte que nous avons vécue euh, depuis quelques années Bien. Euh, moi, je crois que. Je, enfin, je vais répondre à la question, mais à la fin, juste pour comprendre. Moi, je pense qu'on est dans une, dans une période qui est lourde de dangers, incontestablement, mais qui est aussi forte de potentialité. Voilà. Et on pourrait. Euh, si j'avais à le dire autrement par rapport à ce que disait Stakis tout à l'heure, on est à la fois potentiellement d'une période préfasciste, mais à la fois on est potentiellement d'une période pré-révolutionnaire. On est dans les deux. Et les choses peuvent bifurquer. Ce qui me fait dire ça, c'est. Euh, je dis ça parce que c'est là-dedans là qu'on s'inscrit. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose si on pense que tout est plié et qu'effectivement il est minuit dans le siècle et qu'à partir de là, bah, euh, il faut essayer de. Euh, de tant, tant que faire se peut, de résister en attendant des gens meilleurs. Ou si on pense qu'il y a des potentialités pour conquérir le pouvoir et pour faire en sorte que euh, le pouvoir, justement, euh, vienne du côté du peuple. Nous, on pense qu'il y a quand même ces potentialités. Alors qu'est-ce qui nous fait dire ça c'est euh, le bon. Ça a été dit. D'abord, euh, on est dans, dans un moment de crise du capitalisme euh, qui, euh, qui a peu d'exemples dans, précédents dans l'histoire. Moi, je le compare souvent. Alors, faut faire gaffe à les comparaison historique. enfin, je le compare souvent à la, à la force de crise du capitalisme d'avant 14. Alors, on voit comment ça a terminé. Donc, on voit les dangers. Euh, C'est-à-dire euh, une concurrence, une concurrence acharnée entre des blocs capitalistes pour les matières premières, pour la concurrence, le libre-échange généralisé. C'était déjà le cas avant la guerre de 14, C'est déjà les mêmes termes, même si c'est aujourd'hui avec des moyens évidemment plus modernes qui font qu'en une nanoseconde, on peut comme ça transférer des capitaux d'un moment à l'autre, mais c'est la même chose. Et j'allais ajouter, avec en plus de ça, la question environnementale qui fait que la crise est encore plus grave qu'elle n'était ailleurs. Bon, ça, c'est le, 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 la question lourde de danger. La, la, par rapport à ça, euh, on a euh, ce capitalisme-là, j'appellerais le hard capitalisme, appelez-le comme vous voulez, le troisième âge du capitalisme, enfin, qui impose l'idée que les marchés doivent dominer sur tout et qui impose l'idée que le pro, les, 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 les profits. Dorénavant, doivent être à, non plus à un chiffre, mais à deux chiffres, sans soucier même de la valeur entrepreneuriale d'une boîte, etc., mais simplement à la, à la, au profit que peuvent tirer les, les, les actionnaires sur, de, sur du coup de terme. Ce capitaliste, il a eu une première caractéristique, qui est importante pour bien comprendre ce qui nous arrive, c'est qu'il a cherché d'abord à imposer la souveraineté des marchés sur ceux des peuples. Ça, ça a été la première phase après la chute du mur, etc., il y a une trentaine d'années, et dont on peut dire que l'Union européenne est peut-être le cheval de droit idéal, c'est-à-dire que. Pour le coup, on contourne absolument toutes les souverainetés, on dit au peuple, on peut rien faire, regardez, c'est la mondialisation capitaliste, etc. Et puis, il y a une deuxième phase, c'est qu'il a produit tellement d'inégalités, tellement de choses qui deviennent insupportables en termes de politique d'austérité. Enfin, L'inégalité n'a jamais été aussi forte dans le monde. Je veux dire, les chiffres sont effrayants. C'est-à-dire, d'année en année, on a un resserrement, par exemple, sur. On est passé, de, je crois, de 43 personnes il y a deux ans, désormais, à 27 personnes qui détiennent à eux seuls. L'équivalent de la richesse de la moitié la plus pauvre de la planète. Donc, c est, c est, c est, cette chose qui resserre, qui devient de plus en plus insupportable, eh bien, il, a, il, il doit, par rapport à ça, imposer sa politique. Et c'est ce qui explique la dérive autoritaire aujourd'hui. Bon. Moi, je crois que c'est à cela qu'on assiste. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que, ce que disait Gaël, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même dans le pouvoir de, de, de Macron et dans d'autres pouvoirs libéraux dans, dans, dans le monde, il y a une dérive autoritaire policière. Avec tout ce que ça signifie, c'est-à-dire on s'en prend l'état de droit, on transforme des lois euh, d'état d'urgence en lois communes, on, on recourt au, au maintien de l'ordre comme on n'a jamais vu par exemple en France dans la Ve République par rapport aux Gilets jaunes au mouvement des retraites et à d'autres mouvements. Bon, et euh, on, a, on a cette caractéristique. Ça, c'est le, le danger, avec en plus autre chose, parce que je crois que le, le, fasciste, le fascisme, ce n'est pas seulement une autre version du capitalisme, c'est aussi un peu autre chose à un moment donné. Et c'est vrai qu'on assiste dans notre pays. A, depuis 3-4 ans, un antrisme de l'extrême droite à peu près partout, dans les syndicats de police, ça c'est clair. Par exemple, il suffit de voir Alliance qui soutient aujourd'hui euh, les, 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 les policiers du 17e arrondissement, dont deux étaient parmi eux et qui fait en gros la pluie et le beau temps, en réalité à Beauvau depuis quelques temps. Euh, on a euh, dans les médias des choses qu'on n'a jamais vues avant. Enfin, je veux dire, maintenant, on finit par même plus se rendre compte, mais... Euh, que des, dans des médias grand public devant 500 000, 1 million, 2 millions de personnes, il y ait des propos qui étaient tenus il y a 20 ans dans des arrières -salles, euh, clandestines, tellement c'est des propos suprématistes néo-nazis, enfin, c'est des choses que, qui sont... Donc l'extrême droite a fait quelque part une politique d'entriste qui peut effectivement faire en sorte que, bah, du coup, entre une politique libérale autoritaire et une solution identitaire carrément fasciste, le, les choses peuvent gagner. Bon. Pourquoi je pense qu'il y a quand même l'espoir C'est que, ça été... on, on en témoigne tous, c'est que dans ce pays, il se passe des choses c'est qu'il y a des résistances, et elles sont multiformes. Elles sont à l'image du fait aussi que les choses ne se passent plus seulement dans le domaine de la production, ça se passe encore dans la production, dans la lutte des classes, mais elles se passent aussi sur euh, d'autres aspects qui reflètent la question des quartiers populaires, la question euh, du féminisme, etc. Donc là, il y, y a des luttes qui se déroulent dans ce pays, depuis maintenant deux ans, qui, qui laissent penser quand même que les choses ne sont pas pliées. Et nous, pour répondre à la question que, que tu posais, euh, nous, clairement, on, on pense que la conquête du pouvoir est possible. C'est ça qu'on se fie. Alors, j'entends bien qu'on aurait échoué. Bon, je constate déjà une petite chose, ça paraît peut-être aussi l anecdotique, mais pendant des années, les différents courants que nous étions, notre problématique, c'était de savoir ce qu'on allait faire du PS au deuxième tour. D'accord Parce que la, la ligne d'accommodement était la ligne qui dominait. Bah, moi, je ne je prends, prends pas ça pour une victoire seulement pour nous, mais globalement pour nous tous, le fait que la ligne de rupture maintenant, elle peut prétendre être euh, arrivée à un deuxième tour des élections. Et gagner. Alors peut-être que c'est la question qui se pose, c'est que nous, on pense qu'une révolution citoyenne, dans un pays comme la nôtre, ne peut pas se passer de mobilisation sociale, incontestablement, des mobilisations les plus importantes, mais à un moment donné, ça passe aussi par les urnes et ça nécessite d'avoir une majorité. Et j'ai pas l'impression. Voilà, nous, on va le tenter. On va tenter d'être majoritaire dans un an et demi et d'essayer de faire en sorte de renverser le, le danger que je décrivais. Je pense que tout le monde a envie de répondre à Eric, mais gardez à l'esprit ce que vous allez lui, lui essayer de lui, lui, lui dire. Juste pour terminer sur, peut-être, en tout cas, enfin bon, pas terminer spécialement, mais, mais pour faire réagir Youssef. Youssef, notamment, tu disais dans un entretien magnifique avec Aude Lancelin sur Quartier Général au mois de juin, que je recommande à, à, à tout le monde, euh, tu disais notamment une phrase, euh, tant qu'on ne mettra pas au cœur la question de la police et de l'utilisation de la police par le pouvoir, rien, rien ne peut se passer. Tu disais cette phrase-là, et notamment on sait que tu es très critique aussi sur le rôle des, des, des directions euh, euh, politiques, syndicales et autres. Euh, Statis aussi, euh, c'est ce que j'ai cru comprendre sur les lignes rouges, et je sais que dans d'autres entretiens, tu es notamment le dernier hors série avec, euh, avec Frédéric Lordon, tu parlais de la question notamment de, de, de la police républicaine. Là, on, on essaie d'esquisser un peu les questions autour de l'autoritarisme, fascisme, pas fascisme, etc. Sur ces questions-là, toi, en tant que militant euh, euh, des quartiers populaires, en fait, sur ces questions de violence policière, euh, euh, Comment tu, tu, tu vois le comportement de, de, la, de la gauche aujourd'hui et qu'est-ce qui, euh, euh, qu qui a avancé et qu'est-ce qui manque pour pouvoir essayer de vraiment euh, commencer des jonctions réelles avec le mouvement ouvrier organisé, etc. Déjà, euh, bah déjà c'est important de souligner que les quartiers populaires, donc ça fait quand même très longtemps, euh, ça fait des années, ça fait depuis au moins les années 60, fin des années 60, enfin euh, même 61, depuis le 17 octobre 61 jusqu'à aujourd'hui, les quartiers populaires posent comme question centrale la question de la police et du racisme qui va avec. Et en fait, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui tout le monde pose cette question. En fait, tout le monde fait des textes théoriques. Il y en a partout, sur le monde diplôme, sur le machin. Tout le monde parle de la police aujourd'hui. Or, à l'époque, quand les mouvements des quartiers populaires parlaient de la police, on les marginalisait en fait. Tu disais tout à l'heure, la gauche ne calcule pas les quartiers populaires. Non, c'est pas ça. Elle les calcule. Elle les calcule très très bien. C'est plus que ça. La gauche empêche les quartiers populaires de s'organiser. C'est différent. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce pays depuis le début que ce soit dans les usines dans les euh, dans les usines a de moins en moins dans les quartiers dans les villes populaires en fait ce qui s'est passé c'est que la gauche le pc pendant très longtemps ce qu'on appelle les banlieues rouges que tout le monde décrit comme un, un lieu idyllique etc mais en fait c'était conflictuel avec les populations immigrées c'est ça la vérité quand dans les années 70 tu avais des bagarres contre les ouvriers maghrébins tu connais bien ça par rapport à ton histoire euh, familiale, quand on disait, eux en fait ça va pas, ils volent notre pain, etc. Et parfois c'est des militants de la CGT. On a des vidéos de bagarres à Talbot, Poissy, etc. D'accord Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand dans les années 70 on crée le mouvement des travailleurs arabes, c'était des gens qui étaient à la CGT. C'était des travailleurs immigrés qui étaient à la CGT, qui ont été obligés de sortir, ils étaient anticapitalistes. Ils étaient pour une société communiste, il n'y a pas de problème. Ils étaient contre le capitalisme, ils étaient, il y avait des grands théoriciens, il faut lire ce qu'ils écrivaient déjà à l'époque. En fait, ils ont dû sortir. D'accord Pour pouvoir exister en fait. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a la question du racisme qui est centrale et qui est là, comme celle qui va avec de la police. Et dans les quartiers populaires, quand on a des mouvements qui veulent s'organiser, quand on a des mouvements qui veulent euh, exister politiquement, comme disait Sayad Abdelmalek Sayad, un grand sociologue de l'immigration d'origine algérienne qui disait que exister c'est exister politiquement parce qu'on en est là nous. Juste simplement exister. Et ça, c'est pas rien en fait. Et donc, si la gauche a le et elle a eu de cesse d'entraver l'organisation politique autonome des mouvements, notamment sur la question de la police. Donc, c'est bien qu'aujourd'hui tout le monde découvre la police et qu'on se retrouve à des millions euh, euh, ou des milliers, je sais pas combien on était euh, samedi. Mais attention, voilà, on ne faut pas oublier ça, il ne faut pas oublier l'histoire, sinon ça va se reproduire. Donc nous, on est vigilants quand même. Bien sûr qu'on fait le travail, on va ensemble. C'était beau euh, la dernière fois de voir Assa Traoré, Philippe Martinez, euh, Solidaire, c'était stylé, ça rendait bien. Mais ça, c'est une question pour vous, Youssef, euh, pour oui. toi, Youssef, à ce sujet, parce que c'est quelque chose la, la vision de Assa et de Martinez, euh, voilà, au coup à la samedi dernier hein, à, 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 à la manif, a beaucoup fait jaser dans les milieux militants. Est-ce que tu peux nous dévoiler ce soir les dessous de cette affaire bah, en fait, c'est simple, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu des, des discussions internes très vives. Voilà, il y a eu des conflits, mais ça a toujours été comme ça en fait. Et euh, du coup, très on vive a, au sein d'eux. Avec, euh, avec les organisateurs, etc. Il a fallu, euh, voilà, batailler. Pas tous, on a des amis dedans. Euh, on a des alliés, on avait d'autres qui pas forcément, qui voyaient pas forcément le lien pour eux, ça ne leur paraissait pas évident que les quartiers populaires soient là. La vidéo de Michel, encore une fois, euh, malheureusement, malheureusement pour lui, elle a aidé à ça. Et donc à un moment donné, ils ont, ils ont accepté ça, en fait. Ils ont accepté le fait que oui, effectivement, on ne peut pas faire sans euh, les quartiers populaires. On a rappelé, effectivement, comme ça a été dit, qu'au mois de juin, quand même, la question des violences policières est devenue centrale, via un mouvement complètement autonome, pas d'argent, pas de syndicats, pas de partis politiques, etc. Avec tout ce que j'ai dit d'entrave et d'obstacles. Contre ces mouvements-là, parce que il y en a, et, euh, et la question de tout à l'heure, quand on disait, euh, vous disiez, vous prenez la date de, de, de 2016, moi c'est pas 2016 ma date. Moi ma date c'est 2005. Ça en fait faut, voilà, c'est ça aussi. Moi 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 je me considère comme étant les révoltes de 2005. Pour moi c'est ça, oui. la date centrale en fait en France. C'est à partir de là que le règne de Sarkozy, Hollande, Macron, qui est la continuité, qui est un même fil conducteur. Macron étant juste l'aboutissement, c'est la fusion parfaite en fait. C'est comme dans Dragon Ball Z, c'est la fusion parfaite des deux, c'est voilà, le robot, c'est le cyborg qui peut mener à bien toute la politique euh, libérale, et bien en fait c'est 2005. C'est ça pour moi qui est fondamental. 2005, c'est ce, ce qui Moi j'avais 17 ans, c'est ce qui m'a politisé, ce qui fait que je suis devenu un cadre politique. 2005, et de 2005, je suis allé sur le CPE. En 2006, je t'en ai euh, euh, mmh. parlé, j'ai rencontré plein de gens, notamment du NPA, enfin elle sert à l'époque, etc. Et, et 2005, c'est la question, c'est l'émergence. Mais je ne sais pas si on se rend compte, enfin si, j'espère je quand même qu'ici on se rend compte, c'est-à-dire qu'on a eu une révolte sur tout le territoire, comme il n'y avait jamais eu avant. Il faut remonter à très loin pour trouver un tel niveau de révolte sur tout le territoire national. Même, je ne sais pas moi, à Dijon, je ne sais pas, dans n'importe quelle petite ville de France, il y avait des gens qui disaient on existe et on ne se laissera pas tuer impunément. Et ça, pour moi, c'est ça qui est fondamental. C'est ça la date qui, pour moi, ça a été le, le, le tournant. Et notamment le fait de mettre à l'agenda la question du racisme. Et ça, on ne peut pas le balayer comme ça. Parce que tout le monde dit on est dans une dérive autoritaire. Non. Pour qui on est dans une dérive autoritaire Pour les classes moyennes blanches Pour les, les autres de la population Les autres secteurs de la population Peut-être, aujourd'hui. Mais excusez-moi, mais quand on, deux enfants sont obligés d'aller dans un transformateur électrique, d'accord, pour se réfugier, parce qu'ils ont tellement peur de la BAC, qu'ils vont dans, son dans ce transformateur, et que les parents n'arrivent même pas à reconnaître quel est leur enfant, tellement ils ont été brûlés, ça, c'est pas rien, en fait. La dérive autoritaire, on la, connaît, on la connaît déjà. Quand on a la police française républicaine qui va, il y a quelques semaines, réveiller des enfants à 7h du matin dans leur lit avec des armes de guerre, il la secoue comme ça, imaginez ça, 10 ans, un enfant de 10 ans, plus les autres enfants qui regardent ça, le père qui est un ouvrier qu'on exploite, qui était déjà parti à 5h du matin, d'accord C'est pas si on se rend compte du truc, on a emmené cette petite fille devant sa mère, et on l'a emmenée au commissariat à 11h d'interrogation, on l'a fait signer un truc. Je ne sais même pas si elle s'est si signée. Bah, ça, en fait, c'est déjà le fascisme. C'est quoi On attend quoi, en fait Je ne vais pas attendre que ça touche Gérard ou je ne sais pas qui pour dire Ah, on est dans une dérive fasciste. Non, la gauche, les forces progressistes elles doivent se dire, elles doivent prendre en considération plus opprimés que soi, les plus faibles de cette société. Les sous la pédale, encore un petit peu. On va, on va revenir évidemment à cette question du racisme et des mobilisations actuelles. En tout cas, voilà, je tiens à dire c'est 2005 la date. Voilà, la date qui a lancé la... les mouvements populaires. Euh, c est, c est, bon, on on l'aura compris, euh, Youssef Brakni met en cause le retard à l'allumage de la gauche, sinon du pays entier, face à, à la, au traitement subi. Dans les banlieues, par euh, bon, voilà, par la BAC, par les, les policiers en général. Vous qui êtes membre de la direction du NPA, est-ce que c'est un constat que vous partagez, Daniela Oui, je partage le constat. Et je pense que plus en général, la situation dans laquelle on est euh, est une situation qui est très paradoxale. Euh, C'est-à-dire en fait, où à la fois euh, nous venons de vivre, quel que soit y compris en fait le point de départ, mais une vague de en fait, formes multiples et diverses de, de classe, de l'intervention sur le champ politique de secteurs sociaux euh, du camp des exploités, en fait très diversifiée. Parce que si on fait, en fait le film, on a vu euh, les secteurs de la jeunesse, euh, les secteurs de grandes entreprises privées, par exemple à l'époque de, de la loi travail, euh, les raffineries not notamment, on a vu euh, cette France périurbaine avec les Gilets jaunes, euh, on a vu en fait, la jeunesse des quartiers, euh, plus récemment autour des questions de racisme. Il euh, y a une diversité de mobilisation et de lutte de classe en fait dans euh, la dernière période qui euh, non seulement en fait, euh, a fait beaucoup de mouvements mais où il y a y compris et là dessus en fait j'ai une nuance avec ce qui disait Nathalie euh, sur l'idée qu'il y a une poussée réactionnaire mais où il y a en fait, une politisation à gauche qui s'est faite aussi euh, tout au long de ces mouvements là euh, on peut penser à lui debout et à comment en fait il y avait une forme de sentiment anticapitaliste qui a commencé à émerger à une échelle large euh, à ce moment-là euh, ou à quel point en fait on a été surpris euh, quand on a vu les gilets jaunes qui étaient accusés par une partie de la gauche d'être des fachos, crier révolution dans la rue euh, ou encore en fait plus récemment moi j'étais très frappé en fait, j'ai regardé euh, c'est pas pour faire de la pub pour ma chapelle mais j'ai regardé en fait, un petit reportage qui a été fait euh, par une camarade qui est ici dans les coulisses Flora Carpentier sur la manif de samedi où on voit une jeune de 21 ans qui commence à peine en fait, à se politiser, qui fait ses premières manifs et qui dit on est là contre les violences policières, mais c'est plus large que ça. On est là en fait parce qu'on en a le bol général, parce qu'on est contre le système capitaliste. Et ma camarade Flora Carpentier, mal intentionnée qu'elle est, lui dit mais par quoi il faudrait lui remplacer. Et elle donne une réponse qui est tout à fait étonnante et que même nous en fait on s'attendait pas. elle-même en fait elle le dit timidement, elle dit je sais pas peut-être le communisme. Euh... C'est-à-dire ben, c'est une génération qui n'a pas vécu le poids des défaites du passé, et qui s'autorise à penser en fait, contre le capitalisme, à penser le problème de la révolution et à penser euh, le problème y compris en fait, de la société d'après. Euh, et force est de constater que dans une situation comme celle-là, euh, l'extrême gauche, la gauche qui se réclame en fait de la transformation sociale, de la révolution, a, a rarement été plus faible et plus marginale qu'aujourd'hui d'un point de vue de ces organisations. Donc je pense qu'on est obligé, si on est un peu sérieux, de faire le constat euh, d'un échec, d'une faillite, d'une certaine gauche. D'une certaine gauche en fait, politique, mais je dirais aussi syndicale, euh, qu'on pourrait penser à en fait, c'est la gauche euh, héritière un peu de la tradition du congrès d'Épinay, euh, la gauche en fait, qui a participé au gouvernement, la gauche qui a fait euh, la gauche plurielle plus le gouvernement euh, Hollande, mais qui a aussi en fait, été la gauche des manifestations euh, Bassi-République-Nation, des journées saute moutons euh, des grèves perdantes, etc. etc. Et la réalité, c'est qu'il y a un rappel à l'ordre en fait, des mouvements sociaux euh, sur le fait, en fait qu'il y a une recherche d'autre chose. Une recherche d'une radicalité qui, cette gauche-là, en fait, elle n'était pas euh, en train d'apporter. Et à mon avis, ça se, 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 se place, en fait, sur, sur plusieurs terrains. Euh, et de ce point de vue-là, euh, je pense que oui, il y a un danger fasciste en dernière instance, On n'en est pas là. Je pense que le fascisme, c'est quelque chose, en fait, de très sérieux et qu'il faut le traiter en tant que tel. Mais il y a une montée autoritaire. Mais je suis d'accord avec les camarades qui insistent euh, sur l'idée qu'il y a euh, des bifurcations et il y a les grands moments de l'histoire, c'est des moments en fait où le pire comme le meilleur sont possibles. C'est-à-dire en fait où la révolution est possible mais en même temps, où si la révolution n'en gagne pas, on est sûr que c'est pas juste qu'on ne gagne pas. C'est qu'on va voir le pire derrière, c'est qu'on va voir en fait, la rage, la et la vengeance des classes dominantes sous la forme en fait de la contre-révolution, du fascisme, etc., etc. Et de ce point de vue-là, je pense que si on veut aborder en fait sérieusement la discussion ici aujourd'hui, je pense qu'il y a un bilan à faire en fait sur comment la gauche la gauche révolutionnaire a été capable ou non à mon avis de saisir les phénomènes politiques les plus subversifs qui ont émergé ces derniers temps, à mon avis, qui font partie, donc fait partie, à mon avis, l'antiracisme politique depuis un certain nombre d'années. Moi, je me souviens d'avoir fait, il y a un certain nombre d'années, en fait, c'était encore en 2016, une réunion à Tolbiac, en fait, qu'on appelait Faisons Front. C'était juste après, en fait, le meurtre, l'assassinat, en fait, d'Adama. Et on avait invité, en fait, Assa et plusieurs membres, en fait, du, de l'antiracisme politique. Et on a été critiqués, même par nos propres camarades, qui disaient qu'on avait organisé, en fait, une table avec des gens peu fréquentables. C'est-à-dire en fait qu'il y avait un sectarisme vis-à-vis -vis, euh, des militants des quartiers populaires, et des militants antiracistes que je pense qu'aujourd'hui est en train d'une certaine façon en fait, de s'affaiblir, mais qu'on a en fait besoin, euh, à mon avis, de penser une stratégie, qui soit une stratégie gagnante, et qui soit une stratégie capable en fait euh, de apporter une réponse. En termes en fait de projets de société impositifs, mais qui répondent en fait au problème de l'ensemble de notre classe sociale, ce qui comprend euh, une énorme partie de notre classe et qui est la population racisée des quartiers, qui n'est pas juste dans les quartiers, mais qui est aussi en fait en train de conduire des trains, de conduire des bus, etc., mais qui subit une, une euh, oppression spécifique euh, du fait, en fait qu'elle soit racisée. Je, Statis Kouvelaki, je vois, il, il réfléchit à tout, il a envie de répondre à, à tout. J'avais dit de mettre de côté euh, le, le dernier propos euh, euh, d'Éric Coquerel. Euh, euh, J'avais noté euh, quelque chose, Statis, sur, sur le dernier hors série, notamment, et je pense que c'est peut-être le début de, de ce que tu vas peut-être répondre à Éric, mais, mais pour savoir, en fait, et comprendre au-delà même, j'ai envie de dire, de, de, de la France insoumise. Donc, tu disais, euh, nous avons euh, euh, vu les limites de cela en parlant de, de l'incarnation d'un chef dans la durée, dans sans euh, avec l'incapacité d'un ancrage social euh, dans les secteurs, les entreprises, etc., les quartiers populaires. C'est-à-dire de ce, de, 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 du fait qu'il y a un manque d'ancrage au niveau d'un de de, parti comme pourrait être celui de la France Insoumise. Mais j'ai envie de dire, au-delà de la France Insoumise, on peut voir que même dans les partis politiques d'extrême-gauche, de, moi-même étant euh, militant du NPA, on sait qu'on a vu dans, dans la presse euh, récemment les... les, les les discussions autour d'une de, 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 volonté de scission ou non, etc. Que, euh, on voit que ça soit dans d'autres parties ou même les directions syndicales. Euh, je pense qu'on est d'accord là-dessus pour dire qu'il y a une crise euh, du militantisme profond et que de plus en plus, notre camp social, la, les directions de notre camp social, de manière générale, on voit qu'il y a... Euh, un certain recul dans l'ancrage, euh, à tort ou à raison. Je pense notamment par exemple au passage de, des ordonnances Macron, les CSE, etc. Moi, je donne un exemple. À la SNCF, on a perdu 80% des élus. On était plus de 6000 élus. Aujourd'hui, on est 890. C'est dire à quel point demain, pour pouvoir organiser, militer. Et, et donc, je fais la transition un peu et je te laisse la parole et tu réagis sur ce que tu veux, mais un peu ce propos-là entre ce qu'avait la fin du, de, de ce qu'a dit Eric et, et ce que tu penses profondément. Oui, je voulais commencer un peu par ce qu'a dit Youssef, qui à mon avis est extrêmement important. Moi, je suis venu en France, j'avais même pas encore tout à fait 18 ans, en 83, et j'ai adhéré au Parti communiste français à l'époque, j'étais déjà la jeunesse communiste en Grèce, et ma première expérience de manifestation de masse, c'était la marche pour l'égalité, et sa préparation dans ma fac. Et on était quelques-uns, en fait, de l'UEC et, et de la JC. Et là, on a vu qu'il y avait une potentialité énorme, en fait. Et ça a été détruit, partie, par le Parti socialiste qui lance SOS Racisme pour couper l'herbe sous les pieds, justement, de ceux qui commençaient à émerger avec la marche pour l'égalité. Et puis après, il y a eu Convergence 84. Alors là, je crois que... Par, par contre, je ferai une appréciation plus nuancée au niveau du mouvement ouvrier dans sa globalité. Parce que ce que j'ai enchaîné après c'était les grèves dans l'automobile. Et moi, le souvenir que j'ai des grèves de l'automobile en 1983 euh, à Talbot euh, et à Citroën, c'était que les ouvriers immigrés, ils étaient à la CGT. Et, et euh, ça a été terrible hein, comme lutte hein, contre des syndicats maisons, patronaux, notamment à, notamment à Talbot. Je me souviens de ces scènes terribles d'Akagazi le leader de la CGT à Citroën, justement, se faisant humilier par les milices patronales à l'entrée de, de l'usine, c'est des scènes qui vraiment ont, ont, m ont, m ont vraiment marqué au fer rouge hein, là. Et je crois que le, le manque de la gauche, c'est ça, hein, c'est-à-dire le Parti socialiste a joué le, ce jeu parfaitement opportuniste euh, avec euh, SOS racisme, qui a neutralisé dans la durée euh, en France très largement la possibilité de construire un antiracisme politique de masse. Et de l'autre côté, le Parti communiste n'a pas fait avec l'immigration ouvrière postcoloniale, ce qu'il avait réussi à faire avec les vagues précédentes d'immigration, mais qui étaient européennes, hein, avec les immigrés polonais, euh, italiens, etc., qui euh, ont rejoint en masse, notamment dans la foulée euh, de, du mouvement antifasciste, de la résistance, euh, du mouvement syndical, des, des, des luttes ouvrières de, de ces, de ces années-là. Il n'a pas su le faire, il n'a pas su considérer qu'il y avait là une extension naturelle de sa base sociale et, et, et politique. Et on paye le prix véritablement de ça, très lourd, euh, on le paye aujourd'hui. On va le payer, à mon avis, encore pour un moment, mais il n'est jamais trop tard, évidemment, pour, pour réagir. Et je crois qu'il y a plein de gens qui commencent à comprendre ce qui se passe. Alors, euh, venons-en maintenant à la question de, 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 de l'alternative. Hein. Moi, je vais réagir par rapport aux propos euh, d'Éric en continuant un débat que nous avons déjà eu par, par le passé, tout à fait fraternel. Je dois dire que euh, quand... Euh, Alexis Tsipras a capitulé l'été 2015 et que toute une partie de, de Syriza a immédiatement quitté euh, euh, cela. Bah, cette euh, trahison tout à fait euh, incroyable, je veux dire, des, des, des engagements populaires. Le premier coup de fil euh, qu'on a reçu, c'était celui de Jean-Luc Mélenchon. Et ça, ça voulait dire quelque chose au moment justement où d'autres partis politiques prétendument de la gauche radicale française et européenne dansaient la danse du ventre auprès d'Alexis Tsipras parce qu'il a été sage et il a fait ce que l'Union européenne attendait de lui, attendait de lui qu'il fasse. Alors euh, moi, je me suis retrouvé dans un parti et même à la direction de ce, de ce parti dans lequel, pour la première fois de ma vie, j'osais à peine le croire, on était, comme tu dis, non pas au pouvoir, on était au gouvernement. Alors, ça veut dire des choses, hein, ça veut dire, je me souviens, hein, le Parlement grec, euh, les, les, la majorité parlementaire, bon, enfin, des, des choses assez, enfin, qui paraissaient complètement surréelles, je veux dire, quelques années euh, auparavant. Euh, C'était un parti qui faisait euh, 5-6% dans, 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 dans les élections. Euh, on était au gouvernement, mais on n'avait pas le pouvoir. Le pouvoir, il n'est pas au Parlement. Le pouvoir, il est là où il y a le pouvoir économique, le pouvoir, il est là où il y a le cœur de l'appareil d'État, euh, le pouvoir, il est entre les mains d'une classe euh, dans notre propre pays euh, et euh, euh, avec l'appui tout à fait organique des classes dominantes à l'échelle européenne, avec leurs propres appareils, l'Union européenne, la Troïka, etc., qui étaient contre nous, qui étaient décidés de nous faire rendre gorge. Et de notre côté, on n'avait absolument pas fait le nécessaire pour résister précisément à cette pression. Alors, on n'avait pas fait le nécessaire euh, en termes de construire des liens durables avec le mouvement populaire et les mobilisations. Je rappelle simplement la Grèce entre 2010 et le 2012, 32 journées de grève générale. 32 journées de grève générale, plus un mouvement d'occupation des places bien plus important que celui que, que, que l'Espagne a connu. Donc un potentiel de mobilisation populaire énorme qui explique justement pourquoi est-ce qu'un parti qui faisait 5-6% des voix s'est retrouvé à être quasiment majoritaire à lui tout seul au, au Parlement. On n'a pas prévu comment réagir par rapport à la réaction de la classe dominante dans notre pays et avec ses appuis à l'étranger. On n'avait pas prévu, pour nous remettre un peu dans le contexte de l'époque, de plan B, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on ferait si ce qui était parfaitement prévisible s'est effectivement passé, c'est-à-dire un blocus économique imposé par les institutions européennes euh, et qui aurait conduit à la, à, à, la pure et simple, à la pure et simple désintégration. Donc, il n'y avait pas véritablement il y avait au niveau, je dirais, un, un, un programme qui exprimait des objectifs forts de rupture avec ces politiques néolibérales de choc telles qu'elles ont été appliquées, mais sans penser aux conditions réelles qui auraient permis, effectivement, à ce programme, et avec un appui de la mobilisation populaire, de l'emporter véritablement, avec à la clé, évidemment, aussi la question de que faire. Quand Francfort et les autres institutions transnationales, hein, je veux dire, il n'y a pas que l'Union européenne. Enfin, l'Union européenne maîtrise quand même l'outil monétaire. L'outil monétaire, on l'a vu avec la Grèce, on l'a vu dans d'autres pays, en Irlande, etc., est un outil absolument, absolument terrible. Donc, par rapport à ça, et, euh, et, et, et je conclus par rapport au point qui a été soulevé euh, par Anas, euh, moi, je crois qu'il faut construire euh, des outils politiques euh, qui permettent de tenir plusieurs bouts à la fois. Euh, je ne vois pas en effet un moyen euh, de construire une alternative politique qui fasse l'économie du niveau électoral avec une stratégie majoritaire à ce niveau. Ce n'est pas possible. C'est un ingrédient qui est tout à fait incontournable et nécessaire. Mais ce n'est que le début d'un processus. Ce n'est que le début d'un processus. Il y a des précédents historiques. Le Chili, pour n'en mentionner qu'un, hein, où euh, une coalition populaire arrive au pouvoir avec un mouvement ouvrier en pleine expansion, en plus extrêmement extrêmement solide à l'époque, et qui déclenche une, une offensive contre-révolutionnaire des, des classes dominantes et de l'impérialisme américain par rapport auquel elle est paralysée, comme nous, on a été en quelque sorte paralysés euh, paralysé en Grèce. et n'a pas su comment réagir. Donc, il faut tirer les leçons de ça et construire... Hein, une pratique politique, un outil politique, un rapport avec les secteurs sociaux qui ne peut pas se limiter simplement tous derrière le panache blanc, votez pour moi, on arrive à un gouvernement et on fait ce qu'on veut. Hein bon. Je suis à l'heure actuelle en train de travailler un peu, parce que l'année prochaine, c'est le 150e anniversaire de la Commune de Paris, sur les textes sur la Commune de Paris de Marx, d'Engels et, et ceux qui ont suivi. Engels dit à un certain moment, euh, ces messieurs croient qu'en arrivant au gouvernement, on fait ce qu'on veut. Non, on ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce que la situation et un certain rapport de force au niveau de la lutte de classe euh, permet, permet de faire. » Gagner les élections doit être un objectif, mais dire que tout va être résolu comme ça, vous mettez votre bulletin dans l'urne et, et, et ça va marcher, ce n'est pas vrai. Sinon, ça aurait marché en 81, ça aurait marché avec euh, Tsipras en Grèce, ça aurait marché, etc. etc. Voilà. Il faudra garder ce qu'il a en tête, Eric, <rire> <rire> oui, je, non, mais je euh, pense mais... que c'est une interpellation directe, et pour aller plus loin encore que Statis. Est-ce qu'on peut dire que dans le, le programme actuel de l'Avenir en commun, tel qu'il a évolué depuis 2017, et notamment sur la question du plan B et du rétropédalage par rapport à ça, est-ce qu'il euh, y a un, une radicalité suffisante dans le programme de la France insoumise pour permettre autre chose qu'un replâtrage dans le meilleur des cas Moi, je crois qu'un révolutionnaire, c'est celui qui fait une révolution. Enfin, on voit qu'on est révolutionnaire le jour où on le fait. Voilà. Donc, euh, la réponse pourrait être faire c'est. Euh le jour où on arrivera à, à ce que je souhaite, c'est-à-dire euh, euh, au pouvoir, je vais te répondre hein, par rapport à ça, et euh, on verra si oui ou non euh, on engage le pays sur une voie de, de rupture, de révolution, parce que dans le mot révolution citoyenne, il y a citoyenne, mais il y a aussi révolution, quoi, voilà. Bon. Donc ça, c'est ma première réponse. Alors, tout à l'heure, j'ai fait exprès de partir, de toute façon, tu m'y as invité, mais sur la question de la prise du pouvoir, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne dit pas tout de suite, si on fait le tour autour, qu'est-ce que vous souhaitez Nous, on le revendique, on pense qu'on peut gagner les élections, conquérir le pouvoir, pour transformer radicalement les choses dans ce pays et proposer une alternative par rapport au capitalisme. En tout cas, au moins, déjà au capitalisme mondialisé. Et donc, j'allais dire, de manière un peu provocatrice, je le mets en préambule. Mais il est évident que, d'un autre côté, euh, euh, France Insoumise, et je crois que c'est ce qu'on essaye de faire, avec sans des erreurs, de, tout ce qu'on voudra, mais on essaye aussi... De créer un mouvement de masse et on essaye aussi depuis qu'on est qu'on existe à un moment donné d'être dans des initiatives de mobilisation, même euh, quelque part à un moment donné d'en lancer, en ne restant pas toujours dans, uniquement dans le couloir des politiques, mais en essayant euh, euh, de, de justement de de, de, de de concerner, de mobiliser, euh, de, euh, de de susciter ou en tout cas de, de de favoriser l'auto-organisation à laquelle, je, pour ma part, je crois absolument indispensable. Dans le pays, on s'y mis aussi au service de ça. Et donc, de la même manière qu'on s'est mis au service de ça, et par exemple, je pense que les élections présidentielles sont en 18 mois, mais notre mouvement ferait une erreur et on ne le fera pas si on n'essayait pas, dans les mois à venir, de, de, de profiter de toutes les possibilités. Par exemple, je pense qu'il faudrait avoir des initiatives unitaires sur des mesures d'urgence qui seraient des alternatives au confinement. On ne va pas continuer à être comme ça sur un système de privation de liberté, bon, qui pourrait être, que tout, sur lequel on pourrait tous s'unir, des syndicats, des citoyens, des associations, des partis. Donc, pour te répondre, oui, pour nous, c'est une préoccupation. Et il est évident, alors ça de manière claire, c'est que s'il y a une conquête de pouvoir par les urnes, euh, si l'idée, après, c'est de couper le, le, le moteur, de s'isoler et puis de laisser penser que ça va se faire tout seul, non! Parce que la lutte des classes, elle continuera. Bon, et qu'il est évident qu'on ne laissera pas faire le programme qu'on a en tête, qui est un programme de rupture, c'est évident. Et qu'à partir de là, bah oui, il faudra des mobilisations sociales. Donc je, je te réponds, je, je ne conçois pas, euh, 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 je ne conçois pas euh, les choses comme mécaniquement, ne euh, vous inquiétez pas, on gagne les élections, derrière notre panache, on s'occupe de tout. Ce n'est pas comme ça que je le vois, ce n'est pas comme ça que j'imagine. Je pense que la manière de, 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 dont nous, en tout cas, on agit, c'est euh, l'idée que c'est toujours l'idée, qu'il faut fédérer le peuple. C'est pour ça qu'on parle de fédération euh, populaire, par exemple, en termes de construction politique, euh, que ce soit pour, dans les urnes, dans les mobilisations, euh, que, y compris en ignorant, en, en, en ignorant, pas toutes les formes de discrimination. Tout à l'heure, tu parlais des quartiers populaires. Je pense effectivement que la gauche, alors, elle n'a pas seulement ignoré les quartiers populaires. La gauche, dans, dans son acceptation, euh, qui, qui nous a fait. Euh, euh, j'allais dire, nous écarter de ce mot pendant pas mal d'années, parce qu'il était catalogué inévitablement comme super -socialiste. La gauche, elle a ignoré déjà les politiques de rupture, elle a ignoré le fait d'en finir avec le système dans lequel on est, elle a ignoré les classes populaires dans leur ensemble, et dans les classes populaires, évidemment, j'allais dire, par, par un effet de cascade, bah, c'était encore plus fort par rapport à ceux qui subissent toutes les discriminations. Discrimination sociale, discrimination raciale, etc., etc. Donc, pour te répondre oui, mais parce qu'elle a abandonné au fur et à mesure, euh, moi je pense, le, 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 le champ qui aura, théoriquement devrait être le sien, c'est-à-dire celui de la rupture. Et à partir de là, bah, elle, a, elle a géré le système, euh, et gérer le système, tu ben, arrives, arrives à oublier de t'organiser, euh, et, et de, 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 là où, où, où quelque part elle devrait avoir, son, son, euh, j'allais dire, son, 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 son premier ressort populaire. Donc, donc moi je, donc pour répondre je n'envisage pas ça de cette manière je veux, je veux pas qu'on je pense qu'on finira pas comme Tsipras, euh, parce que je pense que le verre était dans le fruit qu'on s'en est peut-être rendu compte trop tard c'est à dire que le moment où il a où il a la main qui tremble par rapport à, à un mandat qui lui a donné le peuple pourtant je veux dire c'est ça qui est terrible c'est que le peuple lui donne le mandat de refuser le mémorandum qu'il le signe je pense que bah, peut-être qu'il n'y avait pas à ce moment là si on peut parler entre guillemets une direction suffisamment révolutionnaire pour assumer quelque chose. Bon, Peut-être aussi que le rapport de force de la Grèce par rapport à ça n'est pas celui qui nous permettrait, nous, d'en établir un. Peut-être un autre. Merci. Si. J'aimerais avoir votre réaction et savoir si, si vous trouvez que le programme actuel de la France insoumise est, est d'obéissance révolutionnaire, notamment. Non, mais je suis frappé par, euh, par, par les mots utilisés, parce que tu parles de rupture. Tu parles de changer les choses, tu parles de. Euh, voilà, la conquête du pouvoir. Mais, mais ça veut dire quoi exactement La conquête du pouvoir, c'est arracher le pouvoir à la bourgeoisie. Ça veut dire exproprier la bourgeoisie des grands moyens de production. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Euh, et, et, et qui peut le faire Qui est en mesure de faire ça ben, C'est la classe ouvrière. C'est le monde du travail. Parce que il faut le dire. Et ça, ça doit être une de nos perspectives. Il faudra, tôt ou tard, que les travailleurs prennent le pouvoir eux-mêmes, qu'ils organisent eux-mêmes la société. Sans ça, on n'en finira jamais de cette société où une minorité prospère sur la base de l'écrasement de la majorité, y compris dans les pays développés, dans les pays riches. Et ne parlons pas de ce qui se passe dans les pays pauvres. Parce que dans les pays pauvres, c'est dans des régions entières du monde, mais c'est la barbarie. Au XXIe siècle, c'est ça la réalité. Il faut que les travailleurs prennent le pouvoir. Ça doit être notre perspective. Et, et c'est pas, je parle pas de rupture, non. Et je, je parle, voilà, c'est la révolution sociale. Oui, il a eu 1789, la révolution où la bourgeoisie a conquis le pouvoir, a installé son état, son état bourgeois, sa police bourgeoise, qui a toujours été répressive, autoritaire. D'abord sur les exploités. Combien a-t-elle tué, euh, massacré des révoltés? Des, 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 des ouvriers, des exploités, euh, indépendamment de, de leur nationalité, de leur, mais parce que c'était des, des révoltés qui euh, contestaient leur ordre social. Combien de fois donc euh, cette police? y compris dans la discussion qu'on a en ce moment avec les mobilisations. Moi, ben, quand j'entends dire que c'est des mobilisations qui peuvent être subversives, ce que j'entends beaucoup dans, cette, dans ces mobilisations, et dans celles de, de, de samedi dernier peut-être, c'est qu'il faut une police républicaine. Mais ça n'existe pas, une police républicaine. Et une police qui soit au service de la population dans une société de classe, elle est le dernier rempart. De l'ordre social, de l'ordre de, euh, de, de capitaliste, des bourgeois. Donc, c'est ça la situation. Alors, une révolution, et la révolution, moi, qui, qui, qui est ma perspective, et sans quoi je pense que l'humanité n'aura pas d'avenir, c'est la révolution prolétarienne, la révolution ouvrière. Et Marx, il n'avait pas vécu de révolution, mais il était révolutionnaire. Parce que justement, il avait cette perspective-là, il avait cette, cette, cette visée-là, et parce qu'il faisait confiance dans les travailleurs. Dans le fait que oui, un jour, ils se battraient, les travailleurs, pour leurs intérêts, et qu'au travers de ce combat, ils seraient confrontés à la situation de savoir hein, alors, on, on, on prend les entreprises, on les fait tourner, ou alors on s'écrase et on continue d'être des, des esclaves. Des esclaves salariés, mais des esclaves. Voilà. Donc c'est cette question-là. Et moi, je ne pense pas que ça se construise par en haut. Je ne pense pas que ça se déclenche avec une, avec une élection. Euh, je ne pense pas que avec un bon mot, bien placé ou quoi, ça, ça, ça viendra d'en bas. Ça surgira des luttes de, 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 de la classe ouvrière elle-même. Comme à chaque fois qu'elle a été proche de prendre le pouvoir dans plein, dans plein de, de pays. En Russie, ça a été comme ça. Et c'est au travers, effectivement, de ce combat-là. Et avec... La présence d'un parti communiste révolutionnaire qui, lui propose, qui, qui, justement, a défendu cette politique, que c'était à elle de prendre aussi la tête du gouvernement, de fonder son propre État ouvrier, eh bien, c'est comme cela que, oui, on peut changer la société. Et moi, c'est la raison fondamentale qui, qui fait que je suis dans le camp des travailleurs, des travailleurs, quelle que soit leur origine, leur couleur de peau, dans le camp des exploités, de ceux qui font tourner toute cette société et qui, donc, peuvent la diriger mille fois mieux que cette bande de parasites qui nous mènent dans le mur. Avant d'enchaîner sur ce qu'il y, y a une question, chers amis, chers camarades, quand même, il y a que faire. Mais on avance. Déjà, je voulais dire enfin à quel point je trouve ce, ce, cette discussion, cet échange avec beaucoup de fraternité ultra intéressant. Et je pense que ça permet déjà de répondre à une question parce que. Les, les gens qui ne connaissent pas le milieu militant, qui ne le pratiquent pas, qui ne voient pas les choses, ont tendance souvent à penser que c'est des guéguerres, etc. Il y a les syndicats, c'est des guéguerres syndicales, les partis politiques, c'est des guéguerres politiques. Et je pense qu'au moins, déjà, les personnes qui nous suivent depuis tout à l'heure, et ils sont très nombreux et, et très nombreux à suivre ce live-là, voient réellement qu'il y a des stratégies, il y a des, 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 des lectures euh, euh, différentes de la situation et des tâches à, à euh, euh, Gaël et, et Daniela aussi, qui voulaient réagir à, à cette discussion, et on, et on avance sur un autre. Ouais, c'est effectivement euh, assez riche parce qu'on parle fascisme, euh, classe ouvrière, quartier populaire et euh, comment on fait la révolution et quelle stratégie. Donc euh, en quelques minutes, parce que tu veux pas accaparer du temps, c'est un peu compliqué. Moi, je vais parler un peu comme Youssef avec mes tripes. Moi, je suis d'origine euh, espagnole. Mes parents, c'est des militants euh, communistes et euh, voilà, des militants communistes espagnols. J'ai pas vécu dans les quartiers populaires. Voilà, à chaque fois que les keufs ils me convoquent au commissariat, ils sont surpris. Ils disent « t'es né dans le 16e ». Et ils se font toujours la bonne blague, v'là un petit bourge qui a voulu faire le révolutionnaire. Bon. Mais j'étais dans le 16e parce qu'en fait, ma grand-mère, bah, le nettoyage des bourgeois, c'était dans le 16e qu'elle faisait avec les Portugais, avec les Espagnols. Euh, et de fait, c'est là où je suis né. Bon. Je le dis parce qu'à un moment donné, je crois qu'on peut ici discuter de plein de choses, mais c'est de la même manière. Daniela dit un truc important, le fascisme, c'est suffisamment grave pour pas... Il n'y a pas besoin d'utiliser le terme fasciste pour parler de l'abomination de la police lorsqu'elle fait une perquisition, lorsqu'elle fait ce qu'elle a fait avec Michel, lorsqu'il se fait et elle intervient dans les entreprises. Il n'y a pas besoin d'utiliser le terme fasciste. Pour moi, je c'est une période historique. Ben, soyons un peu, euh, je sais pas, rigoureux. En Espagne, en 36, c'est des, euh, des gens qui sont fusillés. C'est toute ma famille qui ne sait même pas. Ma grand-mère, mes grands-parents ne savent pas où sont leurs parents enterrés. Bon, c'est des organisations qui sont décimées. C'est l'interdiction de ces organisations. On n'est pas dans cette situation pour une raison simple. Parce que les capitalistes, parce que les capitalistes, ils n'ont, je veux dire, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une possibilité. La possibilité fasciste, elle est intrinsèque au système capitaliste. C'est une option. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un risque d'établir un autre pouvoir que le pouvoir des capitalistes. Il risque quelque chose aujourd'hui. Euh, il, il y a des potentialités. Mais il y a un autre pouvoir, le pouvoir des travailleurs qui euh, pointe le bout du nez. Ça, je pense que c'est une première discussion parce que je, je l'ai trop vu, moi, euh, dans, dans, dans la situation de l'État espagnol, de toujours dire tu vois, quand, quand il y avait Sarkozy, c'était le fasciste. Et donc tu votais un mec qui faisait une politique pire que Sarkozy. Quand il y a Hollande, c'était ma. Enfin, attention Attends, 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 je, je termine. Je termine, en je cas. termine, je termine. Statis, personne n'a dit ça. Oui. Mais personne n'a dit qu'on était dans le fascisme. Mais le fait d'employer ce terme-là et de dire que c'est à nos portes et milieu dans le siècle, c'est une discussion. Voilà. Euh, je suis désolé, tu connais un camarade avec qui tu as signé un texte qui s'appelle Hugo Paletta, et qui parle d'une option. Je dis, aujourd'hui, cette option-là, en tant que telle, elle n'est pas dans le moyen et court terme. Et qu'utiliser le terme de dérive autoritaire ne veut pas réduire toute la pression, toute l'oppression de cet appareil d'État. Voilà. Les, les mots ont un sens, ils ont un sens historique, et, et très franchement, euh, cette discussion-là, elle a une une acuité quand même parce que tu ne fais pas exactement la même chose si tu penses que le fascisme est à tes portes que si tu ne l'es pas. Bon, ça nous a donné en 2002 par exemple un certain nombre de courants de la gauche révolutionnaire qui ont appelé d'une manière détournée à voter Chirac contre Le Pen. Et on voit euh, les 20 et 30 ans euh, derrière. Une autre question qui moi me semble importante, c'est sur les périodes. Euh, moi... Les éléments de radicalisation, ça a été 87 et c'était la lutte du peuple palestinien. C'est ça qui a été un élément de radicalisation. Sur les périodes, je, moi je trouve qu'il y a une période qui est celle ouverte par 95 qui permet de reprendre les luttes. Sur la question de l'antiracisme, enfin je veux dire, je redis pas, il y a quand même les luttes dans l'éducation sur la liberté de pouvoir porter le voile et exercer sa religion en 89 et en 2000, 2003. Euh, qui sont quand même des moments importants aussi euh, euh, au sein de la gauche euh, et comment la gauche se positionne là-dessus. Ce que moi je disais sur 2016 et euh, 2020 aujourd'hui, c'est une période plus resserrée. Et avec toutes les difficultés, euh, 68 a été une longue accumulation aussi de bagarres partielles qui n'aboutissaient pas, pour reprendre les termes que tu utilisais, Statis. Dernière chose, c'est euh, les luttes ouvrières. Citroën, Talbot, tu l'as dit, mais même encore aujourd'hui. C'est-à-dire, pour moi, il y a une question qui est euh, quand même essentielle. Pourquoi je suis contre la police Pourquoi je pense qu'il ne peut pas y avoir de police qui défende les intérêts de la majorité de la population Parce qu'elle est là pour défendre les intérêts d'une petite minorité de parasites. Mais de la même manière, la question de, euh, euh, de la classe ouvrière, du prolétariat, de ceux d'en bas, de notre camp, le monde du travail, il est invisible aujourd'hui. On parle de que faire, on dit que faire. Mais y a, y a, en octobre, il y avait toutes les semaines 30 PSE par semaine. Il est passé à 20 par semaine plans sociaux. C'est 657 plans sociaux à date du 24 novembre. En septembre, on était à 394. On nous a rabassinés sur les commerçants. On nous a bassiné sur la question euh, des euh, buralistes, des libraires. 30 millions de travailleuses et de travailleurs avec ou sans emploi qui sont athées, qui sont musulmans, qui sont catholiques, qui aujourd'hui vivent euh, l'oppression de, 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 du système capitaliste de cette crise. Des milliards et des milliards qui sont déversés au patronat. 350 milliards budgétés il y a un mois. On rajoute 20 milliards là-dedans. Tu l'as dit et tu as raison. Deux tiers des, des, de la destruction d'emplois, c'est des intérimaires et des CDD. Quelle politique on propose par rapport à, à ce que vit notre classe, qui est de toutes les couleurs et de toutes les religions. Quelle politique on propose Moi, il y a un truc sur lequel j'en ai aussi un peu... Euh, euh, Prenez-le avec passion, c'est pas, je, je veux dire, euh, je l'ai dit ici, j'ai que des amis et des camarades, et toutes les discussions, elles se font dans la chaleur de, euh, de la lutte des classes et de la confrontation avec un objectif que je considère commun, et y compris, je le dis cl clairement, avec Eric. Et je trouve que c'est euh, la question des révolutionnaires et qui se détermine en fonction de s'ils font la révolution ou pas est un élément quand même un peu important euh, en, entre nous. Mais, mais franchement, qu'est-ce qu'on propose Là, il y a des mobilisations qui sont énormes. Mais moi, je suis content qu'il y ait des gens qui ne euh, se mobilisaient pas contre la police, qu'ils le fassent aujourd'hui. Je suis content qu'ils veulent balayer d'un revers de main toute cette loi. Mais il y aurait en fait la possibilité, parce que Daniela l'a dit, de bien porter de façon plus importante quelle société on veut. Moi je veux une société sans police, bien sûr, je veux une société sans patron. Mais qu'est-ce qu'on veut autour Youssef, un peu d'un revers de main, dit le communisme. Mais voilà, quel pouvoir Qui décide Pourquoi faire non, non, tu as parlé de, tu as parlé, non, tu as parlé de, de militants, ouvriers, euh, maghrébins, qui étaient pour le communisme et compagnie. Non, tu n'as pas dit quelle société non. tu veux. Ça, C'est euh, tu... vrai. Mais on je t'interpelle un va, peu. Va, quelle société question. toi tu veux Voilà. Parce que, tu sais que veux, parce, que, parce que, oui, on sait ce qu'on ne veut pas. Mais c'est aussi important de discuter de ce qu'on veut défendre euh, et quel type de société. Moi, je te le dis clairement, je veux d'une société, parce que je n'ai pas euh, un livre qui dit comment elle est, où ce soit la majorité de la population qui décide quoi produire, comment produire ou pas produire et quoi faire. Et ça, aujourd'hui, je veux dire, Eric, Statis, parce que ce n'est pas juste 2015 quand même le problème euh, avec Syriza et la trahison euh, par rapport au mémorandum. Quand Syriza arrive et il s'attaque pas aux armateurs euh, grecs, à l'église orthodoxe qui a des milliards et des milliards. Bon, euh, la question. Bah, Excuse-moi, Statis. La question. Non mais je t'ai pas coupé. Non mais c'était pas ça dans l'agenda. La question. Non mais c'était pas. termine avec haut ça. de l'agenda. La question de s'attaquer. On, euh, on peut, on peut, on peut sourire, mais s'attaquer à. Je veux dire, il n'y a pas de capitalisme et de jours heureux. Ces choses-là sont incompatibles. Je vais laisser répondre Youssef qui a été interpellé, mais j'ai quand même quelque chose à te demander en t'écoutant parce que tu refuses le terme de fasciste comme général, trop non. Car... non non mais comme trop caractérisé historiquement et pour toi ce n'est pas un concept qui serait applicable à la, à la situation actuelle et tu dis mais nous ce qu'on veut c'est un horizon positif commun etc mais ça je crois que tout le monde est d'accord mais Précisément, cet horizon-là, aujourd'hui, il ne fait pas consensus, il n'existe pas, il n'y a plus la possibilité communiste de masse comme elle a pu exister à certaines époques, et ça fait, ça fait 50 ans que c'est le cas. Et la possibilité fasciste, en l'absence d'un horizon positif, d'un horizon communiste, elle est d'autant plus dangereuse, elle est d'autant plus menaçante. Et je crois qu'il y a plein de signaux dans la société actuelle qui montrent... Que c'est en train de se déliter et de se déliter rapidement. Regarde le paysage médiatique actuel. Regarde, tu le, je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, mais ce qu'on entend, c'est Eric qui le disait à des heures de grande écoute sur des chaînes comme CNews, à portée d'oreille de n'importe qui, des propos ouvertement racistes, quasiment exterminateurs. C'est quand même des signaux extrêmement graves. Par ailleurs. Euh, il y a quand même, il faut parler d'une chose aussi, puisqu'il y a beaucoup de gens de gauche ce soir sur le plateau, c'est la solitude actuelle des musulmans de France. Euh, C'est-à-dire que dès qu'un djihadiste vient ensanglanter le pays, euh, immédiatement, ils se retrouvent, et ils le sont plus que jamais, mis au banc des accusés, alors qu'ils sont dans le monde les premiers à subir le djihadisme. On, on le sait quand on voit les chiffres. Et aujourd'hui, ce qui fait très peur, c'est qu'on a l'impression que même à gauche, les gens sont tétanisés, ils n'osent rien dire, ils ont peur d'affronter de, 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 vraiment frontalement le, le bloc euh, prétendument républicain et en réalité euh, fasciste, moi je, je, je dis le mot. Et, euh, et, et tu, peux comprendre, tu peux comprendre leur anxiété, il me semble. Mais je sais pas, tu m'interroges, donc je je sais, même de manière courte, parce que je vois bien que sinon les choses... Il euh, bah, avancer se, après. Se, hein. se parce que mine de rien, ça fait 1h30 qu'on voilà, parle ensemble. pourquoi enfin, les... ça passe vite hein, ouais. Moi, je, je, je réinsiste. Euh, euh, je suis ulcéré, révolté euh, par euh, euh, la violence que génère ce système capitaliste. Je n'ai pas envie qu'on focalise la discussion sur euh, euh, l'appréciation du fascisme ou pas, et plutôt quand même de centrer sur le que faire. Parce que justement, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire, tu, tu, tu vois, toi-même, en fait, tu indiques qu'il n'y euh, aurait pas de potentialité. Bah, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Je pense qu'en fait... Non, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de potentialité. Non, je, je, mais mais qu'en gros, acquise, par rapport à la gauche, dans la masse. par rapport à ce qui se passe, tu vois, qu'en gros, cette course de vitesse dont parlait, parlait Nathalie, on l'aurait perdue. Et ben bah, moi, je suis, en fait, moi, je suis surpris, vu le peu de perspectives qui sont proposées, de voir en fait euh, comment, euh, de manière... Euh, qui a appelé par exemple de manière euh, offensive après les, la sortie des vacances scolaires, euh, à faire grève sur la question euh, sanitaire. Euh, je veux dire, ça a été rejoint après coup par les organisations syndicales. Qui a appelé les lycéens euh, à sortir euh, et à s'affronter euh, à la police Aujourd'hui, euh, de fait, les, les mobilisations euh, qu'il y a euh, contre euh, la loi sécurité globale, mais en vérité de manière plus importante, contre le rôle de la police comme instrument de domination d'un ordre social. Parce que c'est ça qui est, est sous-tendu et c'est ça dont a peur le, le régime. C'est parti de, 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 de petites structures en réalité et il y a joué un rôle très important euh, des camarades et des militants comme Tahabouaf et euh, Ari au sein de la LDH. Ils ont joué un rôle extrêmement important dans la convocation de, cette, de ce premier rassemblement euh, à l'Assemblée nationale. Ce que je dis là sur le que faire, ce que j'aimerais qu'on, qu va, on, on va peut-être reproduire des trucs qu'il y a vachement dans la gauche, c'est-à-dire on pourrait passer ici des heures à dire sur toutes les questions sur lesquelles on n'est pas d'accord. Mais je, si on est si convaincu qu'il y a une urgence dans la situation, euh, certains disent péril fasciste. Moi, je dis, il y a une urgence pour notre camp social. Qu'est-ce qu'on fait voilà. C'est quoi le plan C'est quoi le plan commun qu'on a Éric a donné, a ébauché quelques trucs. Là, on est dans une situation où je suis désolé, ce qui est sous-tendu, ce n'est pas juste la démocratie ou la police républicaine. Il y a un mouvement qui peut contester de manière frontale la politique de ce gouvernement. Qu'est-ce qu'on fait ensemble par rapport à ça pour le renforcer et lui donner un contenu qui soit un contenu politique, qui remette en cause le pouvoir de ceux qui nous dominent Très rapidement, Youssef qui voulait interagir, et Daniela et après un autre Alors, thématique un peu différente. Donc là, je suis obligé, enfin je réagis à plein de choses, juste en deux mots, je parlais, le MTA, c'est les années 70, les grèves des années 80, c'est les fameuses grèves. Encore une fois, le racisme a été utilisé pour délégitimer ces grèves, c'était les fameuses grèves chiites, les ayatollahs, euh, ouais, les ayatollahs etc. Donc en fait, le racisme... Mon roi. Mon roi, exactement. Mon roi. Et en fait, pour délégitimer ces grèves, il y avait déjà... En fait, ce on, on découvre aujourd'hui l'islamophobie, mais en fait, ça existait déjà. Et en fait, pour délégitimer des grèves, pour empêcher que des gens puissent voilà, avoir des meilleures conditions de travail, puissent s'émanciper. On les accusait déjà d'être des islamistes. Le MTA, c'est les années 70, d'accord C'est les oui, années 70. Oui. Euh, et donc du coup, ils ont dû scissionner avec la CGT parce qu'ils n'étaient pas considérés comme des êtres humains. Parce que c'est ça le racisme. Parce que moi, je ne veux pas parler du racisme, parler du racisme. Je ne veux pas faire le mec qui va mettre sa petite question. C'est qu'en fait, il n'y aura aucun changement dans cette société si on règle pas cette question-là. Impossible. On peut faire ce qu'on veut, on peut faire des débats au QG, on peut faire des manifs. Il n'y aura rien si on ne règle pas la question du racisme. C'est impossible. La question de la police, elle a une histoire en fait. La police, elle ne vient pas de nulle part. La police, elle a été créée à des moments donnés. Elle a été créée sur des, sur, pour contrôler certaines populations. Et la police, son histoire, elle est liée à l'histoire coloniale, dans les années 20, qu'on le veuille ou non. Ce n'est pas juste, euh, quand tu dis, elle réprime les révoltés. Oui, mais il n'y a pas de problème. Il est Bien sûr qu'elle réprime les révoltés, qu'elle a réprimé les gilets jaunes. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, on a rejoint immédiatement les gilets jaunes sans être dans le truc de que t'étais pas là pour moi en 2005, etc. On a fait de la politique parce que nous, on croit qu'il faut une union des classes populaires, de toutes les classes populaires. Oui, indépendamment de la couleur, mais on ne vit pas les mêmes choses. Non, c'est pas vrai. Parce que George Floyd ou Adama, ils se révoltaient pas quand ils ont été écrasés sous le poids de policiers ou de gendarmes. Ils ne se révoltaient pas. Ils voulaient vivre. Ils voulaient respirer. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ils disaient, je n'arrive plus à respirer. Les deux ont dit la même chose gay Camara était dans sa voiture, il s'est pris une balle dans la tête. Non, il se révoltait pas. Abdelkader Bouziane, 15 ans, quand il se prend une balle dans la tête à les Lélis, il ne se révoltait pas. Il vivait. Donc c'est leur existence qui pose problème. Donc je ne comprends pas comment, dans la gauche, on n'intègre pas ça en fait. Dans plein d'endroits, on a Amérique latine, etc. Ils intègrent la question dans la gauche, de la question coloniale et du racisme et de comment on a construit des êtres humains pour les différencier, pour mieux les exploiter. Si ça, on ne prend pas en compte, ben on va faire quoi alors Comment on peut aller dans les quartiers populaires à dire non mais vous comprenez pas tout ça c'est la bourgeoisie on met dans un tout etc non il faut prendre en considération les oppressions spécifiques et c'est pour ça que là tous ces mouvements là ont débordé les gilets jaunes qui ont leur oppression spécifique et moi je les nie pas en fait c'est ça la différence le féminisme on a vu avec le Too, et il commence à débordé aussi les mouvements politiques les violences policières etc la marche contre l'islamophobie parce que si on règle pas la question du racisme bah en fait, il y a ce qui se passe aujourd'hui. Il y a Macron qui braque à fond, à fond, à fond, et qui centralise tout pour diviser et les classes populaires et les classes moyennes, en tout cas les classes moyennes ça marche super bien parce qu'il arrive à bien les avoir sur cette question-là, du racisme. Si, c'est l'essentiel de sa politique aujourd'hui. Il mise tout sur ça. Donc si on ne règle pas ça, quel mouvement on va construire ensemble Je, je l'ai encore dit tout à l'heure, il n'est pas possible d'accepter que dans ce pays, parce que tu dis... Un des, on va pas faire un débat sur le fascisme, mais un des arguments, un des critères, c'est quand on nous empêche de nous organiser, qu'on nous empêche de se réunir. Mais on y est déjà, en fait. Mais il faut juste le voir. Il faut juste voir que le CCIF a été dissous. Qui a réagi Il y a le NPR qui a fait un communiqué. Mais normalement, il devrait y avoir des millions de personnes. Parce que c'est ça, tu dis, c'est un des critères. Moi, je ne dis pas que c'est le, 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 le fascisme. Moi, je dis à quel moment on considère que c'est l'autoritarisme ou le fascisme. Je dis juste que nous, ça fait longtemps qu'on le vit. La déshumanisation, les morts, les ratonnades, ça, ça fait longtemps. D'accord, 61, 300 Algériens jetés à la scène, c'était hier. Ce n'est pas 36, hein. c'était hier. C'était pas pont, c'était contre des, euh, des, euh, des, euh, des Algériens. Le napalm, c'était hier. D'accord, euh, les, euh, les ratonnades à Marseille, on fait des chasses à l'homme, on lynche dans les rues, c'était hier. Et les morts de, 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 des violences policières, c'était hier aussi. Donc je ne vais pas attendre comme ça euh, une définition précise ou pas. Je dis juste. À partir de quel ça devient important. Et si, par exemple, un de tes critères, c'est quand on ne peut plus se réunir, quand on ne peut plus s'organiser, les musulmans aujourd'hui, ils ne peuvent plus le faire. Il y a des comptes en banque qui sautent, de militants. On a des gens à qui le ministre de l'Intérieur dit J'envoie des messages. Ça ne fait pas réagir, ça. Il dit Il y a des gens qui vont être perquisitionnés. Donc, moi, aujourd'hui, où j'en suis, je te le dis, parce que, voilà, on n'est pas dans la même réalité, je me lève plus tôt le matin et j'attends la porte. Je l'attends, la, je, je la regarde. Je prends mon café, je reste devant ma, ma porte et j'attends de voir quand est-ce qu'ils vont arriver. Parce qu'on en est là, parce que dans mon entourage, ça tombe. Il y en a un à chaque fois perquisitionné. J'ai me suis fait perquisitionner. Ils sont venus me donner un, 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 ils sont venus me donner un, un message. Mais qui rendra justice Moi, ce n'est pas grave. Mais qui rendra justice à mes enfants de 5 ans et 7 ans quand ils verront une arme de guerre Qui va leur rendre ju -ju justice C'est ça, la question. Gardez-en sous la pédale, frère. On va parler de l'islamo-gauchisme après. C'est un sujet important. Vas-y, Daniela. Moi, je voudrais d'abord en fait, rebondir sur cette discussion rapidement et ensuite entamer le débat plus stratégique sur en fait, les voies de la prise du pouvoir, de la révolution Citoyenne ou ouvrière, discutons-en. Euh, moi, je suis en fait euh, euh, d'accord avec le problème que pose Youssef et je pense en fait qu'on euh, a besoin en fait, de le tenir en compte, même si je ne pense pas que ce soit ça en fait qui caractérise le régime fasciste. Mais quand, euh, à Almami, il disait dans le premier débat euh, que en fait, les, les populations des quartiers, les populations racisées, en fait, sont traitées comme des citoyens de seconde zone. Euh, et je pense que dans plusieurs pays, il y a un régime un peu différent. Qui règne sur ces populations-là. Bon, là, on a une diversité politique et géographique autour de cette table. Il se trouve que moi, je suis brésilienne. Euh, dans l'État où j'ai grandi à São Paulo, on tue des noirs, mais dans une quantité qui fait envie à la police américaine. La police de São Paulo tue plus de noirs que toutes les polices des États-Unis confondues. Et cela était déjà vrai sous le gouvernement du PT, par exemple. Il y a une relative indépendance euh, entre le régime politique général qui gère l'ensemble de la société. Et le fait qu'il y ait des populations qui soient considérées comme en fait au Brésil, on dit que c'est la chair la moins, la viande en fait, la moins chère du marché. C'est la viande noire. Et même aujourd'hui, on continue à voir en fait des noirs qui se font massacrer, qui se font en fait tuer dans des supermarchés parce qu'on les soupçonne d'être en train de, de voler des bonbons. Et la gauche révolutionnaire brésilienne par l'y compris en fait de génocide de la population noire. Et je pense que ça c'est un terme en fait, qui peut se poser et qui doit se poser qui doit être pris en charge par l'ensemble en fait de la gauche euh, politique et révolutionnaire mais qui à mon avis est un autre débat, que le débat en fait sur le fascisme en tant que forme politique qui gouverne l'ensemble de la société. C'est juste pour dire en fait, que dans mon refus de l'utilisation du terme fascisme pour décrire la situation actuelle, il n'y a rien à mon avis, en fait, une sous-estimation, euh, disons, en fait, du traitement euh, très différent que subissent euh, les populations, en fait, qui sont considérées comme, euh, euh, voilà, moins respectables euh, dans telle ou telle société, en fait, pour des questions historiques, d'oppression, etc., etc. Euh, Après, moi, moi, en fait, je, je trouve que la discussion, elle est intéressante, mais qu'il faudrait essayer, en fait, de concrétiser, parce qu'Éric, il dit. Euh, voilà, en fait, euh, la à la question euh, très intéressante à fait, posée par euh, Statiste, c'est-à-dire en fait, en quoi, en gros, euh, Mélenchon réussirait mieux qu'en en fait Tsipras n'a réussi en Grèce euh, Et je me suis compris à l'époque, Mélenchon lui-même, a essayé d'apporter une réponse à ça. Il a dit en gros, la France, ce n'est pas la Grèce et moi, je ne suis pas Tsipras. Je pense que cette réponse-là, en fait, elle est insuffisante. Euh, y compris, en fait, parce que les exemples de dirigeants politiques très bien intentionnés... Qui sont arrivés au pouvoir par le biais des mécanismes institutionnels et qui, ensuite, d'une façon ou d'une autre, soit ont à leurs engagements. Soit en fait, se sont retrouvés pris au piège par leur propre stratégie. C'est le cas en fait, euh, au Chili. C'est en fait dramatique, mais c'est aliende lui-même en fait, qui fait rentrer Pinochet au gouvernement et qui lui donne en fait la direction de l'armée euh, pour ensuite en fait se faire y compris payer de sa propre vie euh, et plonger le pays en fait, dans 40 ans d'une dictature euh, sanglante en fait, qui a éliminé là aussi il y a eu un génocide, une génération militante entière. Donc ces questions-là, elles sont très sérieuses et on ne peut pas, à mon avis, les régler par un coup de baguette, en fait, d'une formule. On dit, dans révolution citoyenne, il y a citoyenne, mais il y a aussi révolution. Parce qu'y compris en France, comme c'est un pays qui a une tradition révolutionnaire, le mot révolution, il est un peu galvaudé. Macron, il a écrit un bouquin qui s'appelait révolution aussi, euh, d'une certaine façon. Donc je pense qu'on a besoin euh, de mettre un peu de contenu euh, dans ce terme-là. Et à mon avis, euh, le contenu, euh, il se pose sur deux terrains. Euh, le premier, en fait, c'est une révolution pour arriver où donc c'est quoi la société pour laquelle on se bat Et je pense que cette question est très importante parce que tant qu'on n'aura pas réhabilité le projet d'une société débarrassée de l'exploitation et de l'oppression et qui aura pas en fait le sentiment que c'est souhaitable et que c'est possible, c'est sur ce terrain qui marche, y compris en fait, les idées réactionnaires. C'est sur le terrain de la désespérance, du désarroi de l'idée en fait qu'il n'y a pas d'autre solution que de se battre avec euh, nos frères parce qu'ils nous volent notre emploi etc, etc. donc la réhabilitation d'un autre projet de société à mon avis est une question centrale et pour moi euh, cette société en fait c'est une société non seulement en fait on sera heureux etc un truc un peu en fait bienveillant mais c'est une société sans classe sociale sans état et donc sans police par exemple euh, je pense que ça c'est une première discussion est-ce que nous nous battons tous pour en fait une société de ce type-là, où est-ce qu'on pense en fait au contraire que la police sera toujours nécessaire et qu'une certaine forme d'état en fait, va être toujours nécessaire. Donc ça, c'est la question en fait du but final. Mais après, il y a le problème en fait de la stratégie, de comment on y arrive. Et je pense aussi que le problème en fait de la stratégie électorale en fait on ne peut pas la contourner. Moi, j'assume de dire que pour moi, en fait, c'est accessoire le problème des élections. Que l'essentiel. De toutes les grandes transformations sociales se sont passées en fait par en fait, ce grand moteur de l'histoire qui est la lutte de classe et qui est essentiellement extra-parlementaire. Je ne suis pas anti-électoraliste primaire, hein. je pense qu'il faut se servir des élections, qu'il faut l'utiliser. Mais que l'idée que l'acte fondateur de la transformation sociale, c'est nécessairement l'arrivée d'un homme ou d'une femme au pouvoir par le biais des mécanismes des institutions de la Ve République en France, je pense que c'est une idée contestable et qui compris en fait dans l'histoire a posé un certain nombre en fait, de problèmes et en général n'a en fait, pas très bien marché et j'ai quelques questions en fait, concrètes pour continuer la discussion par exemple en fait, si demain on a en fait, un gouvernement de gauche avec Mélenchon à la tête d'une coalition Qu'est-ce qu'on fait de la police Moi, j'ai vu le programme, en fait, de l'avenir en commun. Il y a un programme, en fait, de réforme de la police que je trouve, en fait, très utopiste, parce que je ne pense pas que dans une société de classe, la police puisse être, en fait, euh, le, le gardien de la liberté. Euh, elle est le gardien, en fait, d'un certain mode de production, d'un ordre social et un instrument, donc, en fait, de l'oppression d'une classe par une autre. Question numéro 2. Qu'est-ce qu'on fait de la propriété de, de la propriété privée euh, des moyens de production euh, y compris en fait de ceux qui euh, semblent un peu en fait sympathiques à Mélenchon comme c'est le cas de Dassault. Est-ce qu'on est qu exproprie Dassault ou pas Ou est-ce que Dassault peut continuer en fait à produire dans ses usines à exploiter des travailleurs, euh, etc., etc., Question numéro 3, euh, le problème en fait de la nation. Il y a beaucoup en fait cette idée, à mon avis, qui revient hein, dans le programme de la France insoumise, mais dans l'idée de nation. Il y a forcément l'idée en fait, qu'il y a des liens de solidarité qui lient un peuple, indépendamment en fait, des classes sociales qui le composent. Et l'idée de peuple, à mon avis, qui remplace l'idée de classe pour les camarades de la France Insoumise, elle engendre un peu cette question-là. Donc, est-ce que euh, dans l'idée de nation, il n'y a pas l'idée qu'il y a quand même en fait une certaine communauté d'intérêt euh, avec Dassault, un peu plus ou au même niveau qu'avec des travailleurs détachés, en fait, à polonais ou hongrois Et je pense que cette idée-là est une idée dangereuse et qu'il y a eu un besoin, y compris pour combattre en fait à toutes les formes de racisme, de xénophobie et de discrimination, mais que de crier haut et fort en fait, que nos alliés ils sont en fait, de l'autre côté de la frontière et que notre projet est d'emblée et pas seulement dans un deuxième temps en fait, un projet internationaliste, un projet en fait, de classe qui est un projet de renversement révolutionnaire de la classe dominante qui est au pouvoir aujourd'hui, qui comprend les Dassault, etc., etc., en fait, et les patrons plus ou moins gentils en fait, euh, euh, aux yeux en fait, de, de camarades de la France Insoumise. Je voulais remercier déjà toutes celles et ceux qui sont en train de regarder le live. Il y a eu 5000 personnes quasiment qui ont regardé le live depuis 19h. On est avec ma camarade Aude. On n'a plus de genoux, d'accord Mais c'est <laughs> tellement intéressant <Mais> qu'on <laughs> est très sincèrement... Euh, enfin, voilà, si vous voulez qu'on finisse à 6h du matin, on à 6h du matin, je plaisante. Euh, je, on je crois me... on va perdre quelques hein combattants dans l'histoire. <laughs> non, je plaisante. <laughs> mais, euh, mais on est toujours sur ce live, sur euh, euh, quartier général et, et, et révolution permanente, euh, et on voit à quel point on n'a pas menti lorsqu'on dit que c'est un débat inédit, exceptionnel, aujourd'hui, sur les, les, les deux ans, euh, qu'on les choses... On voit que ça se dessine petit à petit, les désaccords, les points de, de convergence et autres. Et moi, il y a un grand absent, euh, euh, chers amis, dans, dans, dans ce débat-là, depuis le début, de que faire. Euh, C'est la question des directions syndicales. Parce qu'on a l'impression qu'elle n'existe pas, en fait, qu'il y a juste à fermer les yeux, que c'est juste une histoire de est-ce qu'on fait une alliance avec le comité Adama ou machin, ou le NPA ou Lutoubrière, mais où sont les directions syndicales là-dedans On voit notamment que ça fait 30 ans, depuis 1995, qui est personnellement, et je pense qu'on est certain, à voir que c'est une semi-victoire, parce qu'en réalité, ce qui a été obtenu en 1995 a été retiré directement en 2003 par François Fillon, et on voit à quel point les défaites se sont enchaînées avec un. Un petit euh, une aparté autour de la question du CPE. Mais on voit qu'aujourd'hui et dans les deux dernières années, que ce soit les mouvements spontanés qu'ont été celui des Gilets jaunes, que ce soit les mouvements des quartiers populaires autour du comité Adama, qu'on peut dire qu'il est indépendant du régime, au sens où on comparait avec, avec le, le rôle qu'avait SOS Racisme et, 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 et le Parti Socialiste. On peut considérer qu'en tout cas, le, le comité Adama et de manière générale, les, les militants de quartiers populaires qui se sont mobilisés au mois de juin n'ont rien à voir avec, avec le, le, le système institutionnel. Ces mouvements-là, on a vu, ils ont débordé les directions. Ils ont même une massivité plus importante. Moi, je suis d'accord avec ce que disait Statis, notamment durant la dernière période de réforme des retraites, où il y avait trois, trois cortèges. Il y avait le cortège des Black Blocs il y avait un gros cortège de cheminots, d'agents de la RATP, de postiers, de profs et derrière, il y avait les ballons de la CGT et autres qui paraissaient même plus petits parfois que le cortège de tête. Mais ces gens-là, en réalité, qu'est-ce qui fait qu'on ne tire jamais le bilan de la question des directions syndicales et de la question stratégique. Moi, je suis d'accord avec Statiste sur le fait de, du point de démarrage, en tout cas sur lequel on peut débattre, c'est suite 2016. Moi, je me rappelle de Nuit Debout où Martinez dit, je n'ai pas le bouton pour appeler à la grève générale. Et que, bizarrement, moi, je disais, ils ont toujours le bouton pour appeler pause euh, à la pause et à l'arrêt, mais qu'il n'y a, a pas le, le bouton pour, pour appeler à la grève générale. Et que mon sentiment, c'est que j'ai l'impression que parfois, euh, on ne critique pas assez les directions syndicales. Savoir quel est votre avis là-dessus et pour euh, dire peut-être un peu autour de la France Insoumise, euh, mettre un petit point que, auquel je me rappelais, mais si vous vous souvenez bien, en 2017, il y avait les, les questions de fête à Macron, il y avait, la France Insoumise avait en tout cas à ce moment-là une volonté d'organiser aussi, de faire des manifestations et autres, et puis on voit qu'aujourd'hui, le, 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 ce, ce principe-là a été abandonné pour être laisser aux directions syndicales savoir quel est votre avis à vous sur le rôle des directions syndicales, sur comment en fait les choses elles vont se dégoupiller dans le que faire, comment ça va se passer demain, qui est en capacité d'organiser euh, le mouvement ouvrier, les quartiers populaires, le féminisme, le mouvement écolo, etc., etc. pour pouvoir euh, faire euh, cette, cette révolution, si on croit à la révolution prolétarienne, ou en tout cas euh, militer euh, de, manière, euh, de manière différente, peut-être euh, statiste sur, euh, sur ces questions-là. Bon, très très rapidement, hein, parce que je, je crois qu'on est on est sur le charbon depuis, depuis un certain temps. Bon, sur les, sur les directions syndicales, je crois qu'il euh, il faut se garder, euh, il faut être vigilant, il faut être critique, mais se garder aussi parfois de critiques faciles. Hein. Bon, il y a une difficulté évidente hein, et un refus. Des directions syndicales qui sont encore dans des positions quand même de, de, de mener des combats, d'avoir une, une orientation à un minimum combative, hein, parce qu'il y a un syndicalisme qui a complètement abandonné cette idée et qui est dans une perspective complète de, de je ne sais pas, même pas de collaboration de classe à, à, à l'ancienne, hein, qui fait, ne fait que gérer en fait le néolibéralisme. Je parle de la CFDT par exemple et, et d'autres secteurs syndicaux. Bon, donc là, là on parle déjà d'une partie du mouvement syndical. Hein. Bon, il y a une difficulté de sortir effectivement de cette logique des, tu l'as dit, Anas, des journées saute-mouton et de préparer des luttes, des luttes prolongées. Ça, ça c'est vrai. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est le grand affaiblissement du mouvement syndical, quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même une limite que toutes les mobilisations sociales n'ont pas su franchir depuis 1995, et en réalité depuis les années 80, c'est ce qu'on appelle globalement le secteur privé. Alors quelques bastions syndicaux se mobilisent encore, c'est vrai. Daniela les a mentionnés les raffineries, les ports notamment, hein, parce que là c'est encore quelques. Mais c'est faible hein, dans le secteur privé. Hein. Le secteur privé, euh, bon, euh, dans les grandes boîtes, on sait très bien comment le rapport de force a, a évolué. Euh, il y en a de moins en moins. Le capital s'est restructuré en arrivant à déconcentrer quand même très largement la production. Il y a tout un secteur de services qui a explosé avec un prolétariat euh, qui travaille à l'intérieur, qui n'est pas organisé syndicalement. Donc ce qu'on remarque à la fois dans le mouvement de 1995, dans celui de 2003, dans celui de 2010 et dans les mouvements récents, c'est que le secteur privé n'est là que de façon très faible et uniquement repéré dans certains secteurs. Donc il y a tout un maillage à refaire et une intervention syndicale à reconstruire là, euh, il y a des exemples. Le, le, ce, le mouvement syndical, le mouvement ouvrier, rencontrent le même problème à, à peu près partout. Hein, je veux dire, il y a, euh, le, le mouvement syndical, le mouvement ouvrier n'ont pas trouvé des moyens d'organisation euh, et de structuration de la classe adaptés au capitalisme tel qu'il s'est transformé ces dernières décennies. Euh, et, et, et ça, c'est un, un débat euh, qu'il euh, qu faut avoir avec les militants syndicaux et qui, qui a un rapport aussi avec les. les euh, euh, les, les stratégies euh, à des moments critiques, hein, à, des, à, à des conjonctures critiques. Mais bon, on n'est pas dans une situation non plus où il suffit d'appeler à la grève générale pour avoir le secteur privé en particulier qui mobilise. Hein. Je veux dire, les, les copains, les camarades qui sont dans le secteur privé qui ont essayé de faire démarrer au moment des retraites, on a vu ce que c'est. On a vu euh, des cortèges où il y a les délégués syndicaux euh, et euh, des, 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 des petits cortèges autour. Mais, Donc, ce n'est euh, pas, pas une simple question de volontarisme. Si tu hein. me permets, pour, être, pour ouais. essayer de, de, de dialoguer sur ce que tu viens de dire, mais lorsqu'on voit les gilets jaunes. On ne peut pas dire que les gilets jaunes, ce pas des salariés du privé. Il y a bon, des caristes, des des il y a des maçons et autres. Euh, 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 Lorsqu'on peut revenir même sur la charte d'Amiens et son rôle un peu d'apolitisme, en réalité, c'était une indépendance des partis, ce pas un apolitisme. Aujourd'hui, lorsque tu veux parler de, de racisme ou dans un syndicat, on arrête tout de suite. Mais pour, pour dialoguer avec ce que tu dis, est-ce qu'il n'y a pas une volonté pour pouvoir aller chercher le secteur privé d'aller élargir sur des questions euh, euh, et notamment je pense à cette citation pour paraphraser dans, dans Où va la France moi que j'adore de, 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 de Trotsky ou sur les, les, la phase de grève de 34 à 36 où il dit justement les, les, le, le mouvement ouvrier, la classe ouvrière n'est et, et pas prête à des grèves euh, épuisantes et sans perspective avec beaucoup de dépenses mais qu'elle est prête à beaucoup plus c'est à dire à la grève générale et notamment à la conquête du pouvoir, est-ce qu'il n'y a pas une, une, une possibilité là-dessus pour essayer d'élargir parce que oui les quartiers populaires Ouais. Bah, quand tu es au SMIC, euh, bah, bon, peut-être pas, tu ne vas pas faire 60 écoute, jours. Écoute, les, les, les gilets jaunes, je ne peux pas répondre sur tout hein, et on n'aura pas le temps, mais les gilets jaunes viennent de secteurs précisément de la, de, de la production, de l'économie, où la présence syndicale est très faible, hein, de, que ce soit le secteur du transport, que ce soit le secteur des petites et moyennes entreprises, que ce soit des zones géographiques où le mouvement ouvrier, le mouvement syndical sont particulièrement faibles. Hein. Donc bon, il y a, il y a ça, et c'est ça la difficulté, je crois, des temporalités. C'est la même chose pour la gauche politique. Après, euh, en France, la dislocation euh, du Parti communiste, qui est en grande partie un suicide politique, d'ailleurs, hein, que, que, que la direction de ce parti et son appareil euh, ont mené, euh, il y a une, un, un, un divorce. Ce qui s'est creusé qui est devenu complètement abyssal entre les classes travailleuses les classes populaires et, et, la, et, et la gauche politique c'est une évidence enfin c'est une évidence et c'est sur la base de cette désertion, que toute une partie de l'électorat ouvrier et, po et, 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 et populaire a trouvé refuge dans, dans l'extrême droite, et c'est ça le véritable danger. Moi, il y a quand même un, euh, un, un éléphant dans la pièce euh, qui est absent depuis le début du, du, du débat. On n'a pas mentionné le nom Rassemblement National. Pourquoi Parce qu'on a peur qu'on va proposer euh, la stratégie du Front Républicain. Je crois que personne euh, ici autour, <laughs> autour, autour, autour de cette table n'a pas ça en tête. Alors, on n'est pas dans le fascisme, hein, ça c'est sûr, mais qu'il y a une possibilité du fascisme et une dérive autoritaire. Le problème ne se résume pas au Front National, mais quand même la force électorale de l'extrême droite en France, l'enracinement qu'elle a dans la société française, le fait que ces idées commencent à avoir la pénétration dont plusieurs exemples ont été donnés, qui s'appuient sur un déjà-là de racisme, de xénophobie solidement enraciné dans la société française, tout ça, c'est réel. Et tout ça nous place dans une situation d'urgence politique. Donc je dirais qu'il faut arriver à gérer d'une certaine façon ces temporalités diverses. Il y a la nécessité d'offrir une alternative politique vu la gravité de la crise politique à court terme. Et on ne peut pas sauter par-dessus euh, les élections. Euh, et, et comme on aime parfois citer ici les grands classiques euh, du mouvement révolutionnaire, je tiens à vous signaler que à partir d'un certain moment, pour Marx et pour Engels, dans les pays où il y avait un système Parlementaire, où il y avait le suffrage universel, masculin, seulement à l'époque. Le moyen pour les partis ouvriers d'accéder au pouvoir, c'était de gagner les élections. Vous pouvez regarder tous les textes de Marx et d'Engels après la Commune de Paris, vous verrez qu'ils vont tous dans cette même direction. Euh, bon, donc euh, je me sens à l'aise aussi par rapport à mes grands, euh, par, par à mes grands classiques, hein, euh, par rapport à ça. Mais évidemment, ça ne peut pas se résumer à ça. Il faut une stratégie qui vise à intensifier. Le conflit social a intensifié la mobilisation populaire parce que cette première étape n'est qu'une étape qui permet. Justement, de passer à un niveau supérieur en quelque sorte de l'affrontement la, de, la, de, de classe. Et je crois que là aussi, il y a en, en réalité un assez large accord en fait qui existe autour de cette, autour de cette table sur cette, sur cette question. Euh, là où il y a peut-être plus de désaccords, et c'est un sujet sur lequel on ne va pas résoudre ça euh, maintenant, c'est, si vous voulez, le délicat équilibre euh, qu'il y a à chaque tournant, je dirais, de la conjoncture politique. Où, où placer la démarcation hein euh, et, 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 ça, et ça, il faut être clair. Moi, je suis pour une perspective révolutionnaire, mais pas dans un sens propagandiste, euh, pas dans le sens où il faut dire oui, moi aussi je peux dire demain, je suis pour l'expropriation, je suis pour la bourgeoisie. Le problème, c'est comment on y arrive là. Moi, ce que, je, ce, ce que je pense que l'expérience historique nous apprend, c'est qu'une crise révolutionnaire réelle se manifeste quand les besoins élémentaires, vitaux, immédiats de la population demandent un bouleversement radical. La révolution d'octobre ne s'est pas faite pour l'expropriation de la bourgeoisie, l expropri... L expropri... la révolution d'octobre s'est faite pour la paix immédiate, le refus de la guerre impérialiste, la terre aux paysans, le pouvoir à des institutions Populaire, ouvrière et paysanne qui existait déjà, et le contrôle ouvrier sur la, sur la production, dont Lénine disait bien que ce n'était pas l'expropriation de la bourgeoisie. Ça s'est venu après, au fur, au, au fur et à mesure. Mais c'est parce que ces besoins immédiats pour sauver justement une situation désespérée euh, ne pouvaient se faire que par un renversement global euh, qu'une révolution, qu révolution a éclaté. Et une révolution, aujourd'hui, si on ne veut pas, ce, ce, en quelque sorte, jouer le jeu narcissique euh, de moi je suis plus révolutionnaire qu'eux, ça consiste à cerner précisément ça. <laughs> Un petit peu sous la pédale. Voilà, mais ce, je m'arrête là. Ce Nana. débat c est, 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 est vraiment, est très honnêtement, c'est fantastique. Moi, je tiens à vous remercier encore une fois. On n'a pas fini, restez assis, mais à vous remercier de, de, de votre courage déjà d'être assis. Euh, c'est parfois plus compliqué pour, pour, pour d'autres. Non, je plaisante Harry. mais Mais merci d'être là, présent, parce qu'on a, a invité du monde On a invité du monde à cette, à cette soirée. Certains ont, ont refusé sans dire les noms ni quoi que ce soit. Soit, mais pour saluer le courage et le fait de vouloir... De... Moi, je, je suis quelqu'un de direct. Je je donne pas les, les, les blases, comme on dit, mais... On va dénoncer non, maintenant. mais parce que... On, va parce, parce que j'ai regardé dans les commentaires, beaucoup demandent pourquoi un tel n'est pas là, pourquoi il n'y a pas ceci, cela. Voilà, qu'ils le sachent. Les grands noms ont été de toutes les organisations, tout le monde a été invité. Et ceux qui ont accepté sont autour de cette table, et notamment il y en a un qui malheureusement aurait dû être là et qui n'est pas là, et on a passé un texte à chacun, et c'est Alain Badiou, et Aude euh, va oui. lire un petit passage, et notamment que... pour euh, Nathalie, et réagir avec euh, ce qui vient de se dire. Tout à l'heure, Anas parlait d'un grand absent dans ce débat, et il pensait aux directions syndicales. Moi, je pensais à Alain Badiou, mmh. Donc, le... à notre, matin, Donc, hein, notre grand calumbre. philosophe communiste qui euh, avait étudié la possibilité d'être là ce soir, qui devait être là ce soir et qui euh, subissait aujourd'hui un certain nombre de, de batteries, tout de suite batteries d'examen sans gravité. Je rassure tout le monde, pas de panique. Voilà. Mais il a écrit un texte euh, sur le débat de ce soir, un texte qui sera mis en ligne demain matin sur notre site, le site qg.media, un, un assez long texte qui s'appelle à propos de la conjoncture actuelle. Je pense qu'il donnera à penser. À beaucoup d'entre nous, je vais quand même, euh, voilà, pour, le, pour assurer sa présence au milieu de nous ce soir, en lire quelques extraits que, que, que j'ai sélectionnés. Euh, voilà, et puis certains d'entre vous l'ont eu, d'autres pas encore, mais vous pourrez réagir après ça. Donc évidemment, il est très sévère par rapport à ce que nous sommes, nous sommes en train de faire ce soir, autant vous le dire, pour lui c'est du mouvementisme et euh, la révolution prolétarienne n'est pas pour demain. Ce sur quoi j'aurais souhaité intervenir ce soir, mais que des difficultés personnelles m'empêchent de faire, est une réponse à la question suivante portant sur le mot qui nous rassemble en principe, soit le mot lutte et l'expression après deux ans de lutte. Pour couper court, je dirais ceci. À échelle quasi mondiale, depuis pas mal d'années, depuis sans doute ce qui a été appelé le printemps arabe, nous sommes dans un monde où abondent les luttes, plus précisément les mobilisations et rassemblements de masse. Je propose de dire que la conjoncture générale est marquée subjectivement par ce que j'appellerais le mouvementisme. Soit la conviction largement partagée que d'importants rassemblements populaires vont sans aucun doute parvenir à changer la situation. Nous voyons cela de Hong Kong à Alger, de l'Iran à la France, etc. Il énumère toutes sortes de pays. Tous ces mouvements, sans exception, me semblent avoir trois caractéristiques. Ils sont composites dans leur composition sociale, l'origine de leur révolte et leur conviction politique spontanée. Ça, c'est le second point. Euh, il résulte de cet état de choses que l'unité de ces mouvements est et ne peut être dans l'état actuel des idéologies et des organisations que strictement négative. Évidemment, c'est une chose que Badiou condamne. Au bout du compte, faute de quoi que ce soit comme une proposition politique commune, qui soit nettement dégagée des contraintes du capitalisme contemporain, le mouvement finit par exercer son unité purement négativement contre un nom propre, en général celui du chef de l'État. Ici, bien sûr, chez nous, notre cible naturelle est le petit Macron. Je propose alors de dire que tous ces mouvements, toutes ces luttes sont en définitive des dégagismes. On veut que le dirigeant en place dégage sans avoir la moindre idée ni de qui va le remplacer, ni de la procédure par laquelle, à supposer qu'en effet il dégage, on sera assuré que la situation change. Faute de tout cela, on aboutit, c'est le signal de la fin des mouvements. Alors là, attention, c'est un passage douloureux pour beaucoup d'entre nous. On aboutit généralement vers cette forme ultime de son unité qui est de se lever contre la répression policière dont il a été victime, les violences policières qu'il a dû affronter, en somme la négation de sa négation par les autorités. « Aujourd'hui, dans la durée, tout le mouvement planétaire n'aboutit qu'à des maintiens forcés du, du pouvoir en place ou à des changements de pure façade qui peuvent s'avérer pire que ce contre quoi on se révoltait. » Il énumère euh, Moubarak bon, la situation à Hong Kong. Et je, je, je termine. « Bien entendu, nos circonstances sont bien différentes, mais je crois que tout tourne aujourd'hui autour de la nécessité que nos mots d'ordre négatifs et nos actions défensives soit finalement subordonnée à une vision claire et synthétique de nos objectifs propres et je suis convaincu que pour y parvenir il faut en tout cas nous souvenir de ce que Marx déclarait être le résumé de toute sa pensée à savoir l'abolition de la propriété <laughs> des moyens de production euh, là je pense que Nathalie sera <laughs> sur la bonne ligne allez regarder de près les mots d'ordre comme défense de nos libertés ou contre les violences policières sont strictement conservateurs je vous épargne la conclusion. Vous la lirez demain sur le site de QG. Nathalie, peut-être une réaction Je partage beaucoup de choses de ce qu'il ce qu dit. C'est une réalité que les printemps arabes, en bon, 2010, maintenant ça fait dix ans, c'était massif. Enfin, c'était des révoltes et impressionnantes avec une détermination puis un courage. Enfin, C'est toujours quelque chose de. Moi, ça me conforte justement dans, dans mes convictions profondes. Qu'on que, que, euh, peut être opprimé, on peut subir un tas de choses pendant, pendant des décennies, et puis à un moment donné, euh, voilà, se révolter et avoir ce courage-là de, de partir à l'assaut du ciel, j'ai envie de dire, euh, comme Marx pouvait le dire, des, des communards, mais c'est un peu ça. Sauf que, voilà, sans politique, sans politique, et il y avait des travailleurs. Et dans ces mouvements de masse, l'essentiel de ceux qui composent ces mobilisations sont des travailleurs, sont des exploités qui ont donc le moyen, y compris euh, de, bah, de, de combattre et de peser sur euh, ceux qui dominent la société aujourd'hui sur les forces euh, bourgeoises, sur les forces capitalistes, sur les dirigeants, et bien ils n'ont pas, ils n'avaient pas de politique. C'est vrai, ils n'avaient pas de politique. Où aller euh, Comment s'organiser euh, pour vraiment peser Ils n'en avaient pas. Et c'est ça qui a manqué à chaque fois. C'est la raison pour laquelle moi je pense qu'une des urgences, c'est d'affirmer nos perspectives, effectivement, communistes révolutionnaires, d'affirmer cette... cette, cette euh, ce but, ce but, d'avoir à renverser, oui, la bourgeoisie, à l'exproprier. Tout à l'heure, donc tu disais, mais en Russie, la révolution n'a pas été faite pour exproprier la bourgeoisie. C'est vrai, elle a été faite pour, pour la paix. C'était en pleine. Il fallait arrêter cette boucherie qui était la Première Guerre mondiale, etc. D'accord, bien sûr, mais il y avait un parti qui savait que les partis bourgeois ne, ne l'arrêteraient jamais, cette guerre, qu'ils ne donneraient pas la terre aux paysans il y avait un parti qui en avait cette volonté et qui a montré dans tous les événements, dans tout le, le déroulement révolutionnaire où il y avait des paysans, des ouvriers, que justement c'était eux qui représentaient leurs intérêts, leur seule possibilité de survie dans cette société, c'était ça. Et moi je ne pense pas du tout que, que cette perspective-là, ce soit de la théorie, parce que justement c'est basé sur quelque chose de bien réel, c'est la lutte de classes au jour le jour. Ça, ce n'est pas de la théorie. C'est quelque chose que se prennent dans la... Enfin, voilà, c'est une guerre sociale qui est menée tous les jours dans toutes les entreprises. Euh, Industrielles, commerciales, euh, dans les assurances, dans le secteur bancaire. C'est ça. Et c'est euh, avec des conditions de travail, des salaires, avec des licenciements, des suppressions d'emplois, l'aggravation de l'exploitation. Tant et si bien qu'aujourd'hui, on a effectivement des travailleurs qui font tout fonctionner dans la société et qui n'arrivent même pas à nourrir leurs leur, leur gosses, à se soigner, qui n'arrivent même pas à, à, à savoir si, si dans un mois, ils auront encore du boulot, ils auront encore de quoi, de, de l'argent. Voilà, on, on, en est, on en est là, c'est ça la lutte de classe aujourd'hui. Moi, je suis convaincue que cette lutte de classe qui, qui s'aggrave d'année en année, mais qui va encore connaître un, encore une fois, là, on passe un cran avec justement cette crise économique qui, 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 qui a été accéléré en quelque sorte avec le Covid, etc. Mais là, on passe encore un cran. Et euh, avec un gouvernement qui sera aussi à l'offensive du côté du patronat pour justement euh, euh, ch euh, charger euh, les profits qu'ils ne trouvent plus dans le développement de leur marché, ils vont aller les chercher dans l'exploitation en aggravant les cadences. Et c'est comme ça, euh, ça va s'accélérer. Alors, moi, je suis convaincu qu'il y aura des réactions du monde du travail, de, voilà, de, de, de la classe ouvrière de la classe ouvrière, et que c'est ces réactions-là qui ouvriront des perspectives. Parce que je suis... En, simplement en se battant pour la répartition du travail, rien que le fait d'avoir le droit de travailler dans cette société, le droit de se faire exploiter, parce que c'est ça, ce simple droit-là, aujourd'hui, il faut se battre pour l'avoir. Et se battre pour, avec un tel rapport de force qui forcément, il nous conduira, il conduira tous ceux qui sont engagés à se poser la question. Il faut qu'on les mette sous contrôle. Il ne faut pas qu'on prenne pour un argent comptant tout ce qu'ils nous racontent. Ils mentent tous pour cacher justement euh, hein, leur, euh, cette exploitation. Donc la mise sous contrôle est que, effectivement, dans le cadre de ce combat, bien sûr que ces perspectives révolutionnaires, elles deviendront de plus en plus palpables, de plus en plus visibles pour tous ceux qui sont mobilisés. Mais faut-il encore encore une fois qu'il y ait un parti qui, justement, mette en avant ces perspectives, qui euh, euh, disent cette confiance-là dans les travailleurs et qui leur disent bah oui, tu peux aller jusqu'au bout. C'est-à-dire prendre le pouvoir sur les entreprises, prendre le pouvoir sur l'État et construire ton propre pouvoir, ton propre gouvernement ouvrier. Une question pour Eric en réaction un peu à ce que dit Alain Badiou notamment sur l'aspect euh, euh, négatif en fait, c'est-à-dire d'être contre. Je pense que notamment, enfin, euh, Statis est plutôt d'accord avec, euh, avec cette position-là. Frédéric Lordon, euh, enfin, il y a un certain nombre d'intellectuels qui considèrent que la, la lutte euh, toujours par la négative en fait. Euh, et je pense qu'on est peut-être certains aussi à partager. Euh, cette idée qu'il faut un, un, un programme, une planification et autres. Euh, ce qu'on peut dire, euh, euh, la comparaison entre la France insoumise et les autres partis, ce, ce que les gens de base vont dire, euh, qui vont se rapprocher notamment de la France insoumise. Et tu me dis si j'ai tort, c'est plutôt le côté il y a l'avenir en commun, il y a le. On voit cette prédominance en fait d'un programme, d'une forme de planification. Après, on a compris les désaccords entre. En gros, entre réforme ou révolution, est-ce que ça va être par le système institutionnel ou est-ce que ça va, ça va se faire par la lutte de classe Chacun a, a ses positions. Euh, toi, quelle critique, en fait, tu fais euh, par rapport ouais, à... Je... Ouais, ouais. Vas-y. Enfin, je vais te répondre, mais je vais répondre sur ce que tu viens de dire à l'instant, parce que euh, moi, je me sens pas spécialement dans le camp des réformistes. D'ailleurs, les réformistes, je ne sais plus trop ce que c'est aujourd'hui, parce que les réformistes qui euh, euh, assumaient, quelque part, la prise du pouvoir graduel pour transformer radicalement les choses... Ils sont devenus libéraux ils se sont accommodés avec le système. Donc en réalité, et ça, ça fait longtemps que ça dure, la question, elle est entre ceux qui pensent qu'il faut en finir avec le capitalisme, ou au moins dans sa version dominante, qui est celui capitaliste financiarisé, et on s'apercevrait qu'au bout d'un moment après, tout ça ira en cascade, et ceux qui s'accommodent avec le système. Donc, moi, je, 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 je refuse parce que je mets la question des élections sur la table, que, je te le dis en toute amitié, Anas, si tu puisses considérer que je suis plus ou moins révolutionnaire que toi. Tu vois, parce que j'estime effectivement que euh, pour les raisons qui ont été très bien dites par Statine, dans, dans nos sociétés, euh, il faut, pour prendre le pouvoir, quelque chose qui lie à la quoi. Et je vais expliquer pourquoi. La question du suffrage universel et la question aussi du rapport de classe et de ce qui se passe dans les entreprises. Je, je répondrai à Badiou après, mais c'est juste parce que Daniela, tout à l'heure, tu, tu m'as... C'est intéressant, Marc, tu, tu nous as mis dans la position de pouvoir prendre le pouvoir de nous interroger sur ce qu'on qu fera. Alors d'abord, une première chose... Euh, non, le, le rapport, le, la réponse sera pas tout de suite euh, euh, une société sans classe ni État. Ça sera, mais euh, voilà, euh, voilà. Mais déjà, déjà, déjà appliquer un programme de transition, c'est peut-être pas mal Daniela, là, enfin, puisqu'on parle de classique. Bon, qu'il soit justement un programme de rupture. Alors, la question, elle est, je crois qu'on a autour de la table qui revient à ça, qui, 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 qui renvoie à la question aux élections, c'est qu'on a, on a pas mal d'anciens en référence commune, les uns et les autres. Moi, il y en a une peut-être que je, je suis peut-être le seul à la voir, je ne sais pas, mais c'est Jaurès. Voilà. Pourquoi Parce que je pense que la, la question euh, du rapport à la production, du rapport capital-travail, en gros le prolétaire, pour aller vite, et la question de la citoyenneté sont des questions essentielles et les deux sont liées. Et moi, je, je, on ne peut pas seulement définir. Un projet politique, y compris un projet de prise du pouvoir, simplement par le, le rapport qui serait d'organiser les travailleurs, en finir avec le capital, ses expropriés, et de ne pas soucier de la manière dont on organise la souveraineté des peuples. Parce que je vous rappelle quand même qu'en dernière instance, c'est ça qui définit la gauche hein, c'est qu'il y, y avait ceux, euh, en, 80, en 1790, alors, longtemps révolution bourgeoise, etc., enfin, il y avait ceux qui s'étaient mis à gauche parce qu'ils étaient contre le droit de veto du roi. Et ceux qui s'étaient mis à droite, vous étiez pour le droit, vous du roi. La question de la souveraineté du peuple, qui dirige Et ça, la question est valable dans les entreprises, mais elle est aussi valable dans la, dans la vie, dans tous les aspects de la vie, est absolument essentielle. Aujourd'hui, on nous impose, et, et c'est là où il y a un aspect autoritaire et, et potentiellement totalitaire un jour, on nous impose que le marché, les profits doivent euh, diriger tout sur tous les sujets, d'accord, y compris ceux Qu'ils avaient dû concéder après la Deuxième Guerre mondiale, dans ce compromis historique, avait été le fait de, 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 quand même de se retirer de la, de, 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 de la propriété, de certains biens qui étaient quand même importants. Parce qu'on se souvient peut-être pas, mais il y a 40 ans en France, la, la, la majorité de l'économie était plus sous forme de capitalisme. Je le dis juste comme ça en termes privés. Ils avaient dû reculer et ils sont. Ce qui caractérise les 30 dernières années, c'est une reconquête de ça. Bon, une reconquête totale d'un capitalisme total. Et donc la question de qui dirige qui est souverain est absolument central. Et pour moi, elle se pose dans la question des entreprises, donc ça a la dimension anticapitaliste parce que au, au final les oppresseurs sont les mêmes, mais elle se définit aussi euh, et c'est là pourquoi je, je réponds pour la question de la nation, c'est que je considère que la nation, c'est encore le cadre premier des démocraties dans la plupart des endroits et que si tu veux prendre le pouvoir à un moment donné, y compris dans une perspective internationalisme etc., bah, tu te poses aussi la question du cadre dans lequel tu vis. Autrement dit, par exemple, la question de la nation, euh, ce n'est pas seulement valable parce qu'on réclame une nation pour le peuple palestinien. Nous, on est une nation aussi, et qu'à un moment donné, il faut justement pouvoir avoir une, une, comment dire, une, une stratégie de conquête de pouvoir, une stratégie de prise de décision dans le cadre qui nous est donné. Voilà. Alors peut-être qu'un jour, les nations disparaîtront. Bon. Sauf que pour l'instant, pour des révolutionnaires, se pose la question de savoir ce qui s'est posé pour les Grecs. Pour les Grecs, ça s'est exactement posé pareil. Et leur perspective, à un moment donné, elle était bien de savoir ce qu'ils allaient faire dans la nation grecque par rapport à ce qu'ils allaient rompre. Par exemple, ce qui, à mon avis, ils auraient dû faire au moment où ça leur était posé, ils auraient dû rompre avec, avec, avec l'euro, ils auraient dû avoir un plan B en termes de rapport de force qui les conduisait à ça. Mais ils se, ils se les ont posés dans, dans ce cadre-là. Bon, moi, je pense que l'internationalisme, il se construit aussi à partir de choses concrètes. Donc, pour vous répondre, c'est la raison pour laquelle, pour moi, se poser la question des élections, c'est une question euh, qui, qui n'est pas, euh, qui définit pas le camp révolutionnaire. Ré Par je, contre, je te réponds je juste peux une chose. Juste avec toi 30 non, je te réponds seconds, juste parce une que chose. Est... Nous, ce qu'on met juste derrière, tout de suite, d'accord Ça paraît peut-être important, mais vous remarquerez que c'est quand même valable dans beaucoup de processus révolutionnaires. C'est la question de la constituante, c'est-à-dire que tu prends le pouvoir et à partir de là, tu remets les clés. De, 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 de ce que tu veux définir comme type de société, comme type de règle, tu le remets au peuple à travers une constituante qui part du bas vers le haut et qui redéfinit le projet. Pour nous, c'est les modalités, quelque part, d'un processus révolutionnaire qui se passe par justement toujours plus de démocratie, toujours plus de souveraineté. Et pour répondre à Nathalie, parce que je pense aussi qu'il faut à un moment donné avoir aussi les critiques de ce qui n'a pas marché, je pense qu'il serait faux de penser qu'il suffit d'un parti révolutionnaire. Parce qu'un parti révolutionnaire qui, à un moment donné, y compris, ne s'appuie pas assez, ou du moins ne peut pas s'appuyer assez, sur une auto-organisation. Des populations, ça peut aussi être un parti qui, euh, sur lequel la bureaucratie a plus de prise que si on a un, un mouvement qui prend place dans la société. Voilà, moi je remets aussi en question ça. C'est pour ça que je crois qu'il ne peut pas y avoir de transformation sans fait majoritaire. Et le fait majoritaire, ce n'est pas seulement les urnes, ça peut être un fait majoritaire de grève générale, par exemple, c'est un fait majoritaire, mais que ça remet aussi en question à un moment donné l'idée bah, qu'appartient partir un programme et puis c'est bon. Non je, je caricature hein, je dis pas que tu dis que ça, Nathalie. Mais, mais y a, y a, ça, ça ne suffit pas ça ne suffit pas Moi, ce, qui m, ce qui me paraît nécessaire hein, indispensable c'est l'implication du peuple, c'est savoir comment les gens prennent leur affaires en main. C'est ça qui me paraît absolument fondamental d'où la question de la constituante et ça c'est très révolutionnaire. Juste pour dialoguer avec toi sur la question de, de réforme ou, 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 euh, ou révolution. Enfin, euh, on a pris le terme que faire de, de, de Lénine, euh, mais Lénine a fait aussi un livre moi, que je recommande souvent, c'est La maladie infantile du... Du communisme, entre guillemets, le gauchisme. Moi, je pense que c est, c est, ce serait une attitude gauchiste, en fait, de, de sous-estimer euh, la question électorale, en fait, euh, notamment. Enfin, elle, est, elle est importante dans l'histoire même du parti bolchévique, etc., et de la lutte, en fait, c'est-à-dire d'utiliser aussi les, les systèmes institutionnels. Enfin, on peut dire d'une certaine manière, les syndicats sont institutionnalisés aussi, qu'on intervient dedans, qu'on essaye de militer, qu'on essaye aussi de diriger des luttes, etc. Donc, moi, je pense pas que la, la, la question, en fait, entre réformisme ou révolution, d'une part, Enfin, même s'il y a plein de, 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 de schémas différents, serait uniquement sur la question de est-ce que moi je veux bien me présenter à une élection ou pas. Moi je pense que notamment peut-être la, la chose la plus importante pour moi, c'est plutôt le côté de, de la phase insurrectionnelle en fait, de la phase c'est là-dessus en fait sur le, lequel euh, moi j'essaye de, de ramener, c'est-à-dire euh, euh, notamment sur comment avec l'histoire récente où certains ont parlé d'aliendé de 36, etc. On sait qu'à un moment donné, Paul Lafarge, qui était le beau-fils de Marx, disait notamment ⁇ le, le capitalisme, en fait, il est, il, est, il est prêt à subir uniquement des réformes indolores. Certains vont dire que l'avenir en commun est, 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 est moins à gauche que le programme euh, de, de, du PS des années 60. Même le programme du Oui, mais... Non, mais c'est... <laughs> Là-dessus, c'est-à-dire sur... C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement la prise du pouvoir. Je pense que c'est possible que la France insoumise demain prenne le, le, le pouvoir à travers les urnes. Si ce n'est pas celle-là, peut-être une autre. J'en ai aucune idée. Pas ce n'est pas ce que les uns et les autres pensent, disent là. C'est comment en fait, on va essayer de euh, battre la bourgeoisie en fait uniquement à travers un système institutionnel quand on sait à quel point en fait elle, est, elle ne va pas laisser faire. Elle ne va pas laisser nationaliser les banques. Je, je te réponds, ça ne pourra pas être seulement à travers. cette phase-là. Question institutionnelle. Si on parle de constituante, ça veut dire qu'en réalité, on fait une révolution aussi, on veut abattre la Ve République, on veut transformer les choses. Et je te réponds, il y, aura, il y aura nécessairement, il y aura de manière indiscutable, et même y compris au niveau international. Et c'est bien là où là, il y a la question de l'internationalisme compte, parce que euh, L'idée, c'est aussi de s'appuyer sur ce qui peut se passer comme processus à l'extérieur dans d'autres pays, mais il y aura un, une confrontation. Donc la question ne peut pas être seulement institutionnelle. Je réponds de manière très claire là-dessus. Je veux dire, je n'imagine pas, pour te répondre, le fait qu'à un moment donné, il puisse y avoir de changements sans qu'en même temps, par exemple, il y ait une grève générale, parce qu'il y a des gens qui se vont, qui vont, qui, qui résisteront par rapport à ça. Et là, entre nous, il n'y a pas de débat là-dessus. Daniela, qui voulait réagir, Gaël, et s'il vous plaît, sur la question des directions syndicales, parce qu'à part Statis, le reste, il y a eu un peu d'esquive. <laughs> Moi, j'ai indiqué à la faillite d'une gauche politique et syndicale. Bon. <laughs> non, mais moi, je voudrais répondre en fait, à la fois l'intervention d'Éric et, et à celle de Nathalie, parce que je trouve en fait, qu'on rentre un peu dans le vif du sujet. Moi, j'ai énormément de respect en fait, pour Éric et pour le travail qu'il mène, euh, y compris on se retrouve très souvent sur des piquets de grève et sur plein de chances, mais je pense qu'il y a un débat qui est un débat réel. Et moi, je crois en fait, euh, beaucoup à ton honnêteté et au fait que tu vois qu'il pourrait y avoir en fait, une forme de transcroissance entre en fait, la République. Euh, actuelle et la République sociale et qui d'une certaine façon tu écris quelque chose qui va un peu dans ce sens-là une sorte en fait, de République jusqu'au bout et que la République jusqu'au bout c'est la sociale et donc c'est le monde débarrassé en fait de l'exploitation euh, je pense que c'est en fait un raisonnement qui euh, tient en fait une certaine logique mais qui a en fait euh, le défaut non pas euh, à mon avis en fait, de négliger totalement en fait, la sphère extra-parlementaire mais de mettre quand même le centre de gravité de votre politique en fait sur le terrain électoral et institutionnel et je pense en fait que la principale critique que, que je fais, euh, elle porte plutôt en fait sur ça. Et de ce point de vue, je pense que c'était aussi le problème de Syriza. Que le problème de Syriza n'a pas commencé au moment en fait de a capitulé. C'était en fait une stratégie euh, avec peu d'assises sur en fait, les secteurs fondamentaux de la société, le mouvement ouvrier, les travailleurs, etc., et donc peu, y compris de mécanismes de contrôle. Et en même temps, en fait, la victoire de Tsipras, contradictoirement, a été une forme en fait, de canalisation institutionnelle de la colère qui s'était exprimée dans les rues. C'est-à-dire que en fait, les travailleurs ils avaient l'espoir d'avoir en fait par les urnes ce qu'ils n'avaient pas réussi à obtenir en fait, dans la rue. Et ça, c'est un risque qu'il puisse y avoir en fait, une forme de passivisation. Euh, du mouvement en disant de toute façon maintenant en fait on a élu euh, notre candidat et, euh, et on, on attend qu'il fasse euh, ce pourquoi en fait on l'a élu etc. et on voit que les rapports de classe en fait sont très euh, compliqués et que en fait, face à n'importe quel petit virage à gauche en fait il va y avoir en face une réaction, une contre-révolution y compris euh, extrêmement forte et donc toute la question elle se pose sur le terrain de savoir comment on se prépare pour ça. Et de ce point de vue-là, moi je ne balayerai pas comme ça en fait la question du parti. Euh, je ne ah, pense pas. pas. Le... pas la... Ce n'est pas... L'alpha et l'oméga, ré... et une... ce n'est pas une garantie voilà. absolue. Voilà. On est d'accord là-dessus. Ce n'est pas une garantie absolue, mais ce qu'on est sûr, c'est que le, le nombre de processus révolutionnaires, parce que je suis d'accord avec Statiste, la crise révolutionnaire, elle dépend peu de nous. Et en fait, l'arrivée, la politisation, la rentrée en scène des masses laborieuses d'un pays, c'est un processus relativement spontané. Mais ce qu'on sait, d'après en fait, l'histoire récente, et même plus trop récente euh, que ça... C'est qu'en fait le nombre de processus révolutionnaires, et je pense notamment en fait à l'Espagne euh, des années 30, le nombre de processus révolutionnaires qui ont été perdus parce qu'il a manqué à un moment donné en fait une direction suffisamment intransigeante, trempée, préparée, claire de ses objectifs et avec une assise sociale dans les secteurs fondamentaux de la société. Euh, il y a un nombre très important et avec des conséquences extrêmement graves. Et de ce point de vue-là, euh, je pense en fait euh, euh, que quelque chose que dans le passé a pu être considéré en fait, comme hangar à un moment donné. En fait, ce n'était pas, y compris au moment de la fondation du NPA, l'idée de parti révolutionnaire, de parti communiste révolutionnaire, elle n'était pas très à la mode. Et il y a eu en fait, tout un tas de pays où en fait, on a construit des partis larges, avec des définitions en fait, plus floues, etc. C'est un peu le même problème que je vois, y compris dans l'appel qui vient d'être lancé par des camarades qui a signé par Statis en fait, autour de rejoignons nous cest C'est-à-dire en fait, un certain flou sur les objectifs, à la fois en fait, sur les moyens d'y arriver, sur les objectifs de société pour lesquels on se bat. Mais en même temps je pense qu'il est force est de constater que vu la radicalité qu'il y a en fait, qui est en train de s'exprimer et surtout en fait, l'ampleur de la crise et là je suis d'accord avec Nathalie il y a un carnage les camarades il va y avoir en fait un massacre de l'emploi il va y avoir des conséquences dramatiques pour notre camp social c'est en quelque sorte en fait, soit eux soit nous c'est un combat en fait pour lequel vont se jouer en fait des vies, de familles ouvrières, etc., tout au long en fait, d'une série d'années. Donc la gravité de la situation, elle impose d'une certaine façon une radicalité de projet. Et elle, cette radicalité, elle est en train d'émerger dans les différents mouvements dont on est en train de parler. Mais je suis d'accord avec la préoccupation euh, de Badiou quand il dit, que si ce truc-là reste dans le mouvementisme, il ne s'incarne pas dans un projet de transformation sociale, il y a une limite. Et le problème, c'est que si on considère que le parti est malgré tout... Un outil en fait fondamental, il euh, y un outil quand même en fait très important quand il s'agit en fait de convertir une crise révolutionnaire en révolution victorieuse. Force est de constater euh, que en fait aujourd'hui l'extrême gauche est un deçà euh, ou la gauche révolutionnaire est un deçà euh, de ce qu'il faudrait. Euh, Sophie, elle disait en fait Sophie Wernich, elle disait dans le débat euh, précédent une phrase que j'ai beaucoup appréciée. Elle a dit euh, "Pour l'instant, nous sommes minoritaires et la montre tourne." Euh, C'est la même idée qu'il a une forme en fait de course de vitesse. Et de ce point de vue là. Je pense qu'un débat sur les questions stratégiques qu on est en train d'avoir là ne pourrait pas en fait bien se terminer, si on ne pose pas cette question là la question en fait de l'organisation. Parce que nous, en fait, on n'est pas spontanéiste. On pense, en fait, que le combat euh, qu'on a amené en fait, est un combat compliqué contre des ennemis qui sont très organisés, ce qui exige, en fait, une forme d'organisation extrêmement solide de notre camp social et autour d'objectifs clairs. Et contradictoirement, quelque chose qui pourrait apparaître comme hangar, en fait, il y a quelques années, ou, ou, un peu pas trop à la mode, comme je disais, en fait, par rapport au moment de la fondation du Joël je pense aujourd'hui qu'il y a un espace pour construire un parti révolutionnaire et communiste qui soit capables en fait d'attirer non pas en fait des millions parce qu'on n'est pas dans une situation révolutionnaire mais peut-être quelques dizaines de milliers de travailleurs, de jeunes, de militants des quartiers populaires, d'anciens gilets jaunes en fait qui sont en recherche de radicalité, qui sont en recherche de projets. Donc on ne peut pas se contenter ni ELO ni l'ONPA de ce que nous sommes aujourd'hui, peut-être qu'il va falloir à un moment donné que ELO et l'ONPA, et des militants de l'antiracisme politique, et des Gilets jaunes, et des camarades dans d'autres organisations ou dans d'autres projets en fait, mais qui sont pour une transformation révolutionnaire de la société, et pour abolir le capitalisme, on discute sérieusement non seulement de ce qu'on fait ensemble dans les luttes, parce qu'on fait des choses ensemble dans les luttes, mais y compris comment on peut avec toutes les libertés de tendance et les désaccords qu'il peut y avoir entre nous, peut-être en fait envisager la construction d'une grande organisation révolutionnaire qui ne soit pas marginale et qui soit véritablement en, fait en mesure de peser sur les événements au moment en fait où cette crise énorme qu'on est en train de vivre va en fait donner lieu à des explosions sociales et à des possibilités révolutionnaires. Pardonnez-moi, je voudrais rebondir sur ce que disait Eric il y a un petit moment. Je vais parler de quelque chose d'extrêmement vulgaire qui est la présidentielle 2022, parce que malgré tout, nous sommes à un an et demi, et, qu et quoi qu'on dise là ce soir, elle aura lieu, on ne pourra pas l'enjamber, et il faudra adopter une position par rapport à elle. Alors, le point, évidemment, central, Eric, tu, tu, tu l'as mentionné il y a un moment, en parlant de l'expérience grecque et de son caractère catastrophique, et de la... Voilà, de la, de la, de la de l'abandon de Tsipras, qu'est-ce qu'il nous donne aujourd'hui, je pense que cette question elle intéresse beaucoup de ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qui nous donne aujourd'hui l'assurance que la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, quand bien même il serait au pouvoir, quand bien même il disposerait d'un mouvement euh, voilà, euh, en appui de masse, euh, fera ce que, ce que Tsipras n'a pas fait, sortira des carcans des traités européens. Et, euh, et sera en mesure d'imposer son, son calendrier à l'Allemagne. J'aurais de deux réponses. Il y en a, a peut-être une qui, euh, qui est liée aussi au, au fait de ce qu'ont fait les, les uns et les autres euh, devant des obstacles, les décisions qui ont été prises. On a, le rôle des individus dans l'histoire existe aussi. Euh, quand Jean-Luc sort du Parti socialiste euh, et euh, notamment rejoint... Euh, le combat contre le traité constitutionnel européen en 2005, quand il sort du Parti socialiste, il met des actes sur la table. Et qui n'était pas, euh, pas la voie royale. Moi, je me rappelle très bien euh, qu'on a créé le Parti de gauche, euh, le grand parti en devenir était le NPA. Je me rappelle, on est venu au Congrès du NPA. Et euh, donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'est pas sorti en se disant, tiens, bon, voilà, il y a des actes qui ont été posés. Et tu en, en, en as donné d'autres, ou d'autres n'ont pas fait la même chose par rapport à ce qui s'est passé en Grèce. Bon, après, c'est les actes des uns et des autres dans les mobilisations où je crois que euh, on est euh, euh, chose nouvelle quand même pour une force comme la nôtre. Il y a des groupes de députés qui existent et on essaye d'honorer notre mandat en étant euh, en étant pas seulement justement sur le plan électoral. On est euh, on est on essaye d'en initier. Tu l'as dit tout à l'heure. Peut-être qu'on fait plus assez, mais c'est peut-être aussi qu'on a peut-être à un moment donné intériorisé euh, certaines choses dans, 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 dans des difficultés qu'on a eues. Mais mais en tout cas, on essaye de le faire. Voilà. Donc ça, c'est. Après, les gens le regardent, regardent ce qu'on fait. Bon. La deuxième chose, par contre, pour te répondre, c'est qu'il n'y aura aucune assurance, il n'y a pas d'implication citoyenne. Ça, c'est clair. Enfin, alors, on peut, appeler, on peut dire aussi l'implication des travailleurs, c'est-à-dire comment, à un moment donné, les gens prennent leur, les choses en main. Ça, c'est sûr que si demain, on, on se retrouve. De toute façon, je ne pense pas qu'on puisse avoir la majorité dans le pays et que ça ne se passe pas en même temps. Ça serait un tel coup de tonnerre, parce que là, on en parle comme ça, mais imaginez un peu. Le couteau en France et en Europe, s'il n'y a, si a, si a pas un minimum pendant les, les, les 18 mois qui nous séparent de cette élection, quelque chose qui, qui se passe et qui est d'une montée euh, en masse de, 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 euh, ou en tout cas de manière importante euh, des luttes, euh, des mobilisations, etc. Donc, il euh, n'y a, a aucune garantie s'il n'y a pas d'application euh, application populaire, aucune. Au-delà, au-delà de ce qu'on peut être les uns les autres, où je pense que on a donné certaines garanties, mais ça, ça suffit pas. Donc voilà pour, pour répondre. Je, euh, et c'est bien pour ça que la campagne, d'ailleurs, on l'a démarrée tôt parce que euh, on pense que euh, il faut absolument qu'arrive à à, à quelque chose qui se passe dans le pays et qui, qui fasse que si on y arrive, bah, ça sera une victoire. Une victoire, d'ailleurs, de nous tous. Très sincèrement, j'en parle un peu parce que je parle de France Insoumise. Mais moi, une des choses que j'enrage, je vous le dis, hein, c'est que. Euh, on pourrait tous être députés et prendre le pouvoir ensemble, je le crois. Parce que j'arrive toujours pas. Non mais sans rire, j'arrive toujours pas. On a beau me dire, j'entends je, à un moment donné ce que dit par exemple Nathalie, des fois il y a des débats avec Hélo euh, là-dessus, on aurait un programme, mais notre programme pré prévoit une... Une grande partie d'expropriation des capitalistes, enfin dans, dans des secteurs extrêmement importants. Donc très franchement et d'ailleurs nos adversaires, la nos, du nos ad, non non non, de service citoyen, on peut en discuter ah, si tu veux. Mais, mais on peut en discuter de ce que c'est une armée. Privée. Mais, mais le, 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 ce que je veux dire par là, c'est que nos adversaires, eux, ils se trompent pas quoi. Regardez les coups qu'on prend, ils se trompent pas de savoir où on est et, dans, et, et savoir, bon. Donc moi je, je, voilà, je le vois comme ça. Je suis peut-être naïf. J'aimerais bien qu'il soit député ministre gaël vous tous enfin je veux dire uh, you savent tout le monde là voilà, qu'on arrive à faire quelque chose parce que non mais je rigole quand je dis ça mais je pense pas qu'ils puisse que, réellement je pense pas qu'on puisse changer les choses si tous les parce que les militants ça a aussi un rôle quoi les gens qui sont qui sont, uh, qui, sont uh, qui sont sur le terrain etc je pense pas qu'on puisse changer les choses si les uns et les autres on n'est pas capable de créer un cadre qui, euh, quelque part, nous, nous, nous mobilise et nous fait transformer et, et, et nous fait prendre la part à une transformation. Et de ce point de vue-là, bah, euh, tous les gens qui sont depuis deux ans ensemble dans les luttes, je pense que cette histoire, elle doit nous appartenir. C'est aussi ça que je ressens. Gaël, pour euh, l'ensemble de tout ce que tu viens d'entendre. Pour l'ensemble de cette œuvre. <laughs> l'ensemble de cette œuvre. <laughs> euh, Dis ce que tu veux. J'ai été perquisitionné non, un dimanche matin à 6 heures. Non. Euh, non, plus, plus sérieusement. Euh, je trouve que la discussion elle est vraiment passionnante, mais je trouve qu'on la... Pour le coup, pour des marxistes, euh, on, on la déconnecte un petit peu de, 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 de ce qu'on est en train de vivre autour de nous. Quoi. Et je trouve que par rapport au que faire, là, c'est une petite faiblesse quand même de, de notre discussion. Pas, on n'est pas dans une situation qui serait posée, calme. Moi, franchement, je peux discuter des heures et des heures avec Eric. Euh, voilà, la différence stratégique fondamentale c'est que euh, euh, la question de la grève générale, la question des luttes, euh, je ne l'utilise pas pour euh, asseoir des positions institutionnelles dans euh, euh, la possibilité de, euh, mais de faire jaillir un autre pouvoir, voilà, un autre pouvoir qui est contradictoire avec celui des capitalistes et qui n'est pas conciliable. Euh, tu as donné les expériences euh, du Chili. Euh, les capitalistes ne, je veux dire, ne laissent pas que tu t'attaques au pouvoir des euh, Bolloré, euh, des Bétancourt, ils lâchent pas ça. Bon, et donc, euh, cette question de, de, de dualité de pouvoir, de grève générale, on n'en a pas parlé, mais il y a, il y a quand même, bon, là, le 26 novembre, il y a eu la plus grosse grève générale en Inde avec 250 millions de travailleurs. Enfin, cette force que représente la classe ouvrière est, est quelque chose d'essentiel. Pareil. Je pourrais continuer à discuter. Euh, la grève qu'on a menée, par exemple, à la poste pendant 15 mois, eh bien, cette force euh, de la classe ouvrière dans sa diversité, elle est, euh, elle est fondamentale. Ce que tu as vécu avec la grève euh, des cheminots, des transports, de la RATP, euh, montre cette force-là. Ah, pourquoi Parce que euh, je veux dire, le racisme, c'est une arme des capitalistes. Euh, Aujourd'hui, par exemple, quand nous, on était en grève pendant 15 mois, euh, on l'était avec euh, des Brahim, avec euh, des Pedro, avec des Patrick, avec euh, des euh, gars qui bouffaient de l'arriette, d'autres qui n'en bouffaient pas. Et parfois, on s'affrontait à des chefs d'équipe qui s'appelaient Moussa, qui étaient noirs, ou qui étaient blancs, ou qui étaient espagnols. Bon, la question de la ligne de classe, de la délimitation de classe, elle est essentielle. On pourrait en discuter pendant des heures. Moi, je suis convaincu que dans une situation de crise du capitalisme telle qu'on vit, on va vivre en fait, des, des explosions, des euh, regroupements et des formes de recomposition. Euh, mais pour ça, il faut qu'on discute de ce qui se passe dans la situation et ce qu'on fait. Par exemple, là, il y a un mouvement, enfin, ce qui s'est passé samedi est, est énorme et je trouve qu'il n'est pas traditionnel. Il y avait des organisations syndicales traditionnelles. Le SNJ-CGT, ce n'est pas euh, une organisation euh, syndicale euh, ultra-gauche. Hein. Tu avais euh, des formes de, 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 de... les quartiers populaires, mais tu avais des formes d'organisation euh, comme euh, REC, euh, autour de Taaboaf, euh, des journalistes. Ils ne sont pas exactement la même chose que le SNJ-CGT. Et ça se voyait dans les cortèges. Tu avais les Black Blocs, tu avais des Gilets jaunes. Ça se voyait dans la manifestation très jeune, très féminine, mais y compris qui était très bariolée, très mélangée. Bon. Aujourd'hui, cette mobilisation, tout le monde ici est d'accord pour dire qu'il euh, n'y a pas que l'article sur euh, la question de euh, filmer les keufs. Il n'y a même pas que trois articles, l'ensemble de la loi. Mais ce qu'il y a derrière cette affaire-là, c'est une possibilité sur une question politique de fragiliser la politique que mène le gouvernement. Pourquoi ils veulent le réprimer dans les quartiers, dans les entreprises Je ne vais pas faire un, un, un deux. Pourquoi ils font ça Pourquoi ils font ça Pour asseoir une domination de classe. Bon. Et ce qui est sous-tendu, pourquoi ils balisent autant Alors que pour l'instant, c'est des centaines de milliers de manifestants sur la question d'un article. Pourquoi ils balisent Parce que cette question de cette domination de l'ordre, et la police, ce n'est pas fait que dans les colonies elle s'est faite avec la naissance de l'État capitaliste. Bon. De l'état capitaliste. L'état capitaliste en soi, c'est des, 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 des détachements armés. Des détachements armés. Mais ne me fais pas passer pour un colon. Enfin, je veux dire, dire que, bah, historique, bah, bah, dire que historiquement, excuse-moi, dire que historiquement, l'état s'est mis en armes pour asseoir pour une domination, et pas juste au moment des colonies, c'est juste historique. C'est juste historique. Et ça ne retire pas, et ça ne retire pas, Youssef, après, et pas ça ne retire pas, Youssef, et ça ne je vais peut-être essayer de lire, moi, mais, mais tu me, 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 me pas, feras un cours, en tant que prof, tu me feras un cours, au travailleur que je suis, tu me feras un cours, en tant que prof, tu me feras un cours, je te dis, mais tu me feras un cours d'histoire, tu me feras un cours et tu m'aideras à lire, tu m'aideras à lire, mais tu me feras un cours, mais tu es en capacité de me faire un cours. Si tu es tu en vois. capacité de me faire un cours non, et tu es en capacité de me faire un cours. Tant que tu es en capacité non, de me faire un cours en tant que professeur. En tant que professeur, tu es en capacité de me faire un cours. Youssef En tant que professeur, tu es en capacité de me faire un cours. En tant que professeur, tu es en pour capacité de me faire un cours. Donc, comprends pas. Bah, je dis que moi, que je suis un militant contre, racisme. contre donc, le racisme. Mais tu étais des militants et donc moi, en tant que militant, je, je me suis renseigné sur la police. Parce que tu t'es tue... renseigné, renseigné, renseigné sur la police, mais on. Donc, donc j'ai lu des spécialistes de la police. donc Je te dis juste que la police et les équipes qui Non, mais la police, c'est née sur la police, sur la police des noirs. Donc après, si toi, t'es dans le négationnisme ou le révisionnisme, ne le prends pas mal, mais ne me dis pas, pas, ne prends pas un acte défensif de base de dominant qui est de dire tu me fais passer pour un colon c'est cette, cette société il ne pas, pas, pas se faire passer, pas passer pour de parce que je, je dis juste, juste ça juste tu peux un, un, peu mec, de es un mec soi-disant qui est pour les, contre de les dominations Comment et tout c'est es incapable d'accepter es depuis tout à l'heure parce que la peine de se faire tu de revenir par plein de revenir que plein de chemins et tout, pas mon discours depuis tout à tu pas te, tu te discours de à par la peine de se à Calme-toi, t'inquiète pas, je vais rien faire, moi. Tu vois, t'inquiète pas. Je moi, je te dis juste que ne, je ne dis pas n'importe quoi. Dis, Il y a deux choses qui ont chose. été dites. La police ne sert pas à écraser je que je les révoltés, j'ai dit que c'est aussi racial. qu'elle vise des chose. groupes qui ont je été te racialisés te et qui sont tués et pour tu ça. Et deux, je te dis que la police mais ne dit pas qu'elle n'est pas née sur la question. de la vie. C'est tout ce que je te dis. Il faut l'accepter. Est-ce que c'est possible de laisser parler Gaël, Gaël, Gaël. ce que Gaël, Gaël, S'il vous plaît, messieurs, des camarades de. Deux petites secondes. Enfin, Les désaccords sont possibles, il n'y a pas de problème. C'est juste simplement qu'on est en live en même temps et qu'imaginez, si nous déjà on est avec vous, on ouais, essaye de perdre... Voilà. Ça, Mais il a pas. Youssef, il aura tout le temps de répondre et d'interpeller, etc. et de dire ce qu'il a envie de dire. Gaël, tu, tu continues euh, ton professe, propos, poursuis ton propos et après euh, après on passe à, à Youssef. Mais je veux dire, moi je ne comprends pas qu'en fait on ne puisse pas juste... Euh, dans la discussion qu'on a ici, essayer de la reprendre au travers de qu'est-ce qu'on qu qu fait dans la situation euh, politique actuelle. Parce que, euh, je veux dire, euh, le fait que c'est concomitant, euh, qu enfin, tu vois que euh, dans la gauche révolutionnaire, dans la gauche syndicale, la question du racisme est une question qu'il faut régler, moi j'en suis d'accord. Bon. Dans la situation actuelle, quand on dit euh, de faire qu'il y ait des connexions qui se passent avec ce qui est en train de se passer de manière concrète, on pense... Oui ou non, que cette situation actuelle, elle peut permettre de poser des questions politiques bien plus larges. C'est-à-dire les questions de la domination de cet État, de cette police, au service d'une minorité. Voilà. Première question. Le comité Adama. Vous étiez présent à la manifestation. Il y avait des syndicalistes de base qui étaient présents à la manifestation, des partis politiques. Il y a un enjeu aujourd'hui. Il y a la coordination qui existe d'un côté. On a. L'intersyndicale euh, euh, Île-de-France qui existe de l'autre, on a les quartiers populaires de l'autre, les organisations politiques qui se regroupent et discutent ensemble, serait-il utile ou pas que l'ensemble de ces gens-là discutent d'un plan commun Moi, c'est quelque chose que je pose en tant que tel là. Il y a des potentialités dans cette situation. Je veux dire, discuter de la somme des nuances qui existent entre nous, on peut passer, effectivement, comme l'a dit euh, Anas, jusqu'à demain 6h. Je crois que dans la situation actuelle politique, jusqu'à demain 6h du matin, dans la situation politique actuelle, il y, des, il y a des possibilités de pouvoir en finir avec cette politique, de pouvoir faire que justement, on fasse des bons. Dernière chose sur un aspect positif euh, dont on parle peu. On parle des fermetures d'entreprises. Cet après-midi, toi, tu étais à l'Assemblée nationale avec les camarades de Général Électrique. Nous, on y était ce matin où ils étaient à Bercy, où ils sont en grève. Et il euh, euh, y a un plan où la moitié euh, des salariés euh, de Général Électrique sur Villeurbanne vont euh, se retrouver sur le carreau. On a aujourd'hui 657 plans de licenciement. Cette question, quand tu poses la question que font les directions syndicales sur cette phase de second confinement Clairement, elles sont aux abonnés absentes. Mais comment, de la même manière, quand il y a des tentatives là, euh, un appel d'une entreprise qui s'appelle Tui, où sur 900 salariés, il y en a 600 qui vont se retrouver sur le carreau. Tui, c'est une boîte du tourisme marmara, loop voyage, compagnie, s'adresse aux autres entreprises. Est-ce que ça, ça fait partie de notre combat ou pas C'est-à-dire la question aujourd'hui euh, de s'opposer à la question des licenciements, à la question euh, des cadeaux faits au patronat. Est-ce que c'est une question qui nous concerne tous ou non Je finis avec ces, ces questions-là. Parce que sur la situation politique, moi sur la stratégie révolutionnaire, la nécessité d'un parti, la nécessité de se doter de, de, de voir comment, dans l'histoire, la question de la grève générale a posé la question du pouvoir, on peut en discuter des heures, mais il y a une situation concrète qui se pose à nous, y compris l'affaire des élections. Euh, C'est une question qui se posera en 2022. Mais aujourd'hui, on ne va pas attendre 2022. Il y a des choses concrètes qui se posent pour pouvoir changer la domination que l'on subit et que l'on vit, qu'elle soit dans les quartiers, qu'elle soit dans les entreprises ou qu'elle soit dans les lieux d'études. Bon, quel plan Qu'est-ce qu'on propose les unes et les autres Voilà, ça peut sembler néandertalien. Euh, mais la première des choses, me semble-t-il, ça serait de discuter ensemble de ce plan-là et de faire converger l'ensemble des des, des des structures qui agissent sur différents terrains pour se doter d'un plan de bataille. Je vous, euh... je suis entièrement d'accord avec lui. Non <laughs> non va. mais juste le... Non attends. Je pense que. Ne viens que pas, que tu... si... pas sur BFM TV. C'est ce <laughs> pas toi qui vas me dire ça. <rire> <rire> Ni sur les grandes gueules. Euh, on a. Non mais c'est important parce que depuis tout à l'heure vous me mettez dans le rôle par rapport aux élections, etc. Euh, attends, ce que on, a j des... on a mis des bougies oui, à côté de toi, Ce que j'essaie de dire, euh, c'est que cadré. dans les 18 mois qui viennent, qui viennent avec la question, ça a été dit tout à l'heure, par des de là, d'un raz-de-marée en termes de chômage qui va se passer dans ce pays. Il y a quand même 2 millions de pauvres en plus dans ce pays actuellement. d'accord. C'est que les réponses, il faut qu'elles viennent de suite. Et arriver à avoir 10 mesures d'urgence qui sont assez faciles à faire, on a, on a, on a commencé l'exercice et sur lesquels on pourrait se battre tous ensemble, syndicats, associations, partis politiques, tout ça, etc., pour que, dès la fin du confinement, on soit capable de se mobiliser, me semblerait une excellente chose. À commencer, par, par exemple, par pas, aucune dividende et aucune suppression d'emploi dans les boîtes qui ont reçu Ça tombe bien, ils ont toutes reçu. Bon, ça, c'est des mesures sur lesquelles on pourrait se battre et qui sont parfaitement compréhensibles, et qui permettait de ne pas attendre seulement 2022 pour essayer d'établir de, de, un non. rapport de force. On, on, on est sur la, la fin, sachez qu'il y a quasiment 1300 personnes qui regardent, c'est-à-dire qu'ils oh, oh, oh. sont encore là déterminés à attendre de savoir ce que Nathalie Artaud va dire alors, pour sa conclusion. Alors. <laughs> et Statis Kouvelakis. C'est comme l'épreuve des piquets. Mais, à non, mais sinc sincèrement, enfin, on vous sont... a déjà remercié plusieurs ça fois, mais hein. c'est de toute façon, <laughs> celles et ceux qui ont pris le live en cours de route, qu'ils le sachent, les, 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 la totalité des deux plateaux sera disponible sur, sur les YouTube de, de Quartier Général et de Révolution Permanente, et ça, je pense même dans. Dans 5 ans, dans 10 ans, on... les gens éplucheront savoir ce qu'avait dit Statis Kouvelakis <laughs> ou Gaël Kirante en 2020 sur la situation. Je pense que pour, pour faire la, euh, 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 conclure sur cette phase-là, et je veux après passer la parole à Youssef sur, euh, sur la situation actuelle, sur les questions de, de loi sécurité globale, loi séparatisme, et sur la question de l'islamo-gauchisme, isla, et, et sur tout ce que tu veux. Euh, mais, <laughs> mais effectivement, y a beaucoup de choses à dire. J'ai rien dit sur Effectivement, encore. moi, je, je, je donne un... Un, un petit propos là, mais effectivement, la, la situation, elle est sans précédent. Éric euh, parlait des, 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 des 1 million de pauvres en plus, euh, plus de 10 millions aujourd'hui, euh, plus de 800 000 chômeurs rien que depuis le, le, le mois de mars et ça continue, plus de 500 plans sociaux, tout à l'heure Gaël en, en parlait. C'est vrai qu'il y a une urgence et notamment lorsqu'on parle des deux ans, ce n'est pas pour tenir un, un registre ou des luttes ou de quoi que ce soit. C'est qu'on sait très bien tout et tout, je pense. Euh, qu'on soit à la France Insoumise, ou NPA, euh, chez, chez Lutte Ouvrière, euh, euh, au comité Adama ou autre, euh, on est toutes et tous convaincus qu'à un moment donné, ça va péter pour reprendre l'expression, c'est-à-dire qu'on sait, c'est pas dans une semaine, dans un mois ou dans six mois, on sait qu'à un moment donné, les gens, lorsqu'ils vont être à la croisée entre leur loyer qui est impayé et le, et le frigo, et en même temps euh, qu'ils vont voir derrière, euh, entendre les Jeff Bezos et compagnie continuent à s'enrichir, ces gens-là, inévitablement, ils vont sortir, et qu'à l'heure actuelle, lorsqu'on parle notamment de crise militante Crise organique et haute, et notamment d'une certaine crise, une forme de crise dans, 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 dans la gauche et l'extrême gauche, ces gens-là, on sait qu'ils vont sortir demain. Mais qui va les organiser Comment on va faire en sorte pour que, notamment, que ce soit les mots d'ordre révolutionnaires, communistes, etc., ces choses-là se font Et notamment, ça ne va pas se faire dans, dans, dans cette fin d'émission, mais ça donnera peut-être l'occasion à, 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 à un autre moment de discuter plus sur comment on, on organise demain, demain les luttes. Mais il, il est vrai qu'il y a. Une, une, une importance vitale en fait dans la prochaine période à s'organiser, notamment contre, la, contre les licenciements. Et je pense qu'il y a plein de mots d'ordre euh, sur le contrôle ouvrier, sur toutes ces choses-là, sur ouvrir les, les livres de compte des patrons et autres. Il y a un, un certain nombre de choses et à, sur lesquelles il va falloir être intransigeant, notamment et parler aux directions syndicales qui, pour certaines, ont quasiment signé tous les plans sociaux et tous les APC dans les différentes entreprises, et dans un silence de mort. Et je pense qu'il euh, va falloir qu'on creuse ces choses-là. Euh, Youssef, tu réponds, tu dis ce que tu veux, mais euh, je voulais que tu parles aussi sur la question de l'islamo-gauchisme. On a parlé de la mort terrible de, de Samuel Paty qui nous a toutes et tous euh, euh, frappés, choqués, et notamment euh, euh, l'offensive réactionnaire dans les médias euh, où on a mis un coup de tampon à l'islamo-gauchisme, à, à toutes celles et ceux qui avaient le malheur de, de défendre les musulmans. Savoir euh, quel est ton sentiment Parce que je sais que toi, tu as été très critique sur euh, cette euh, certaine une fuite. Euh, des, des directions syndicales, politiques, ONG et autres qui, en, en 2019, le 10 novembre, signé les yeux fermés l'appel euh, du collectif euh, contre l'islamophobie et qui, aujourd'hui, euh, on a l'impression, essaye euh, d'esquiver euh, cette question-là. Oui, alors, déjà pour répondre sur la question des syndicats, etc., en fait, je vais, il y a quand même un truc, c'est que le comité d'AMA, euh, l'Intergard, euh, les Antifa, les machins, on n'a attendu personne. On n'a attendu personne. Personne, aucun euh, parti d'avant-garde ou je ne sais quoi, pour, pour euh, proposer des actions concrètes, pour prendre la rue, pour faire reculer l'extrême droite quand il le fallait, dans le mouvement euh, des Gilets jaunes. Euh, le comité Adama, je vous le dis encore une fois, nous on n'est pas la LDH, on n'est pas la CGT, on n'a pas 100 ans d'existence. Mais quand il fallait être là, sur certains piquets de grève, avec Honnête, là on, on s'est rencontrés, avec euh, euh, les Cheminots, avec certains dépôts RATP, etc., on l'a fait nous en fait. Donc il n'y a pas de problème nous en fait. Nous on ne divise pas. C'est ceux qui refusent de voir les oppressions qui divisent. Il ne faut pas inverser. Parce que je connais le truc. C'est pour ça que moi, je jamais pu entrer dans un parti euh, de gauche. Parce qu'à chaque fois, il y a le truc que, soi-disant, parler de la question raciale, parce qu'elle existe, la question raciale, c'est pas moi qui l'ai inventée. C'est le colonialisme qui l'a inventée. C'est les États occidentaux qui l'ont inventée, qui ont hiérarchisé l'humanité, ce n'est pas moi. C'est les Jules Ferry et compagnie qui ont parlé du fardeau de l'homme blanc, ce pas moi qui l'ai inventé. Et donc, sur cette question-là, quand on la pose. Et qu'on dit, je ne veux plus être exploité et je ne veux plus être dominé racialement et socialement, et qu'en fait, on ne veut pas choisir entre les deux, et qu'en fait, les deux sont liés et qu'elles sont intimement imbriquées, et on te dit, tu divises. Qu'est-ce que ça veut dire avec, Je peux pas militer, moi, avec des organisations qui ne prennent pas en, en, en considération cette question. Mais attendez, on voit bien qu'il y a une énorme différence entre une femme euh, d'honnête, donc la mère d'Assatraoré était gréviste sur, sur Honnête, qui nettoie les gares et tout ça, qui, qui a perdu l'usage de son oeil parce qu'elle a nettoyé les gares, d'accord et euh, le, le, le prolétaire euh, blanc dans le Jura, etc. C'est quand même pas la même chose. Il faut être ensemble, il n'y a pas de problème, on l'a fait, je vous le dis. On a été euh, aux Champs-Élysées, on le savait que certains de ce mouvement-là, certains d'entre eux, avaient des propos racistes, on le savait, on a quand même été. Parce qu'il faut construire une unité populaire de toutes les classes populaires, donc il n'y a pas de problème pour ça. Ce n'est pas nous qui divisons. Ça, il faut que ça soit bien clair. Et quand on pose la question coloniale, ce n'est pas diviser euh, la gauche ou diviser les classes euh, populaires. Euh, euh, ça, c'est le premier point. Sur la question de, de, des élections euh, de 2022, etc., moi, je ne comprends pas pourquoi on ne regarde pas ce qui se passe dans le, ce qu'on appelle, entre guillemets, le bloc occidental. En Grèce, il y a eu Obdoré. En Hongrie, il y a eu Orban. Il euh, y a Pegida euh, en Allemagne, etc. Pourquoi on ne regarde pas sur quelle base le, les néo-nazis se reconstituent moi, je ne crois pas, je, je m'en fous du débat fascisme, pas, pas fascisme, et je ne crois pas que l'histoire se répète, ou Voilà, c'est la fameuse phrase. Donc, je ne cherche pas à faire de parallèle. Et moi, je crois que, par exemple, ce que vivent les musulmans, c'est spécifique à l'histoire de France, c'est spécifique à l'histoire coloniale. Et quand on regarde la manière dont on traitait les Algériens dans le cadre du territoire français, parce que c'était les départements français, ce n'était pas un truc lointain, c'est les départements français, en fait, on retrouve le même type de domination et le même type de traitement, notamment vis-à-vis -vis des musulmans. Bah, Il se recomposent sur la question de l'islamophobie. Donc comment ça se fait qu'à la France insoumise, qu'à Lutte ouvrière, qu'au NPA, etc., et encore c'est un peu moins vrai pour le NPA, ça soit pas le truc le plus fondamental, le plus important à mettre tout de suite sur la table, puisqu'en fait ils arrivent à faire l'union de plein de majorités en Hongrie, en Allemagne, dans l'ancienne Allemagne de l'Est, etc., etc., un peu partout en Europe et aux États-Unis. On a vu que la première mesure de Trump, c'était le Muslim Ban, sa première directe. C'est musulman. Pourquoi ça, ce n'est pas central Qu'est-ce qui se passe Est-ce que je divise Jamais je dis, dis, dis ça. Donc la France insoumise, ce n'est pas pour attaquer la France insoumise, va se lancer là, en 2022. <laughs> je vais y venir pourquoi Et de, Je vais y venir sur l'histoire de l'islamo-gauchisme. Et donc en fait, ils savent très bien que vous ne l'êtes pas. Et donc en fait, le, 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 c'est ça qui va être central. C'est ce que Macron prépare, avec le séparatisme, qui va s'étirer, s'étaler, d'accord, jusqu'en 2022. Et donc ça va être que les musulmans, les musulmans, les musulmans, les musulmans et qu'on voit des, 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 des dirigeants autoritaires arriver au pouvoir sur cette question-là, et ce n'est pas la, la, la question qui doit être posée centralement, et notamment à la France insoumise, mais pas que, dans d'autres. La question de l'islamo-gauchisme, pourquoi ils ont inventé ça Déjà, premièrement, ça a été fait contre les militants des quartiers populaires, parce qu'il y, y a très peu de mouvements, aujourd'hui en tout cas en France, qui, qui, peut, qui peuvent montrer une telle répression. Je le répète, il y a des associations qui sont dissoutes, il y a des gens ils n'ont plus de compte en banque aujourd'hui. Là, vous allez sur Twitter, il y a des mecs qui disent, on n'a plus de compte en banque, on leur, on leur a supprimé le compte en banque. Qui vit ça Qui je, par, je parle des enfants. En Coran vient de tomber, mais vient de faire une enquête. Un enfant de 14 ans mis en examen, 48 heures de garde à vue. Mais ça n'intéresse pas euh, les organisations de gauche. C'est pas central. On ne déboule pas sur les plateaux, sur les plateaux on n'essaie pas d'organiser une manifestation, etc. Mais si on ne fait pas 2022, c'est ma, Macron, version Trump, Trump euh, amélioré, encore plus. Ce n'est pas possible. Et l'islamo-gauchisme, c'est une accusation pour couper la gauche avec les classes populaires, et notamment sur le fait que ça met une pression sur la France insoumise, sur le PC, sur euh, les Verts, ça met une pression à se droitiser en fait. Et plus on est accusé d'islamo-gauchisme, et plus on voit les leaders de gauche aller à la télé et dire « mais non, pas du tout, moi je suis pour la laïcité, non, pas du tout, moi je suis... » Ils courent après les excuses. Plutôt que d'affronter frontalement cette accusation, et de dire que « oui, je défends les musulmans, oui, il y a de l'islamophobie, oui, il y a une islamophobie structurelle en France aujourd'hui, etc. » C'est ça en fait qui, est, qui, est, qui, qui doit être posé sur la table. Et ce n'est pas parce que ça me fait plaisir, c'est parce que je veux ramener ma petite lutte, etc. C'est pas moi qui en fait le sujet central. C'est Macron, c'est les grands dirigeants européens aujourd'hui qui mettent tout et qui tablent tout sur ça parce que ça marche et ça cartonne. C'est un fait, c'est comme ça, et c'est comme ça qu'ils arrivent tous au pouvoir euh, un peu partout dans le bloc occidental. On vous laisse à toutes et à tous euh, une conclusion. Celui qui veut conclure euh, un propos. Euh celui qui ne veut pas le faire ne le fait pas. Statiste, peut-être un mot. Euh, tu as été silencieux sur le. Enfin, bon, bon. Par, de, par défaut, quoi, parce que de parler. Bon. <laughs> Premièrement, euh, euh, moi je suis. Euh, je, je partage entièrement ce qui, a été, ce qui vient d'être dit par, euh, par, par Youssef. Euh, il faut sortir de la défensive. Il faut sortir de la, de la, de la défensive, ça c'est clair. Euh, et, et je n'oppose pas d'ailleurs euh, euh, le fait que moi, moi je ne fais pas cadeau de la, de la laïcité. D'une certaine façon à l'extrême droite. Mais je pense que pour être crédible dans un sens progressé sur la laïcité, il faut d'abord expliquer qu'il y a un problème de racisme, qu'il y a un problème de l'islamophobie. Une fois qu'on a dit ça, on peut expliquer calmement que veut dire véritablement la, 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 la laïcité et arrêter de l'utiliser comme un simple cache-sexe de l'islamophobie. Je remarque que le mot islamo-gauchisme est la version actualisée. Du judéo-bolchevisme des, des années 30, hein. et ça s'en dit long, hein, les amis de, de, de létat est, hein, comme le discours du grand remplacement, ou le discours de la submersion migratoire, et le discours matriciel de ce qui aujourd'hui alimente une dynamique autoritaire, xénophobe, fascisante, demain peut-être fasciste. Qui, Aude a utilisé un terme que je trouve juste, hein, qui a une dynamique exterminatrice, hein, à proprement parler, euh, là-dedans. Hein. Bon, il faut être clair par rapport à ça. C'est vraiment. Euh, si, si, la, si la gauche, euh, la, la, la vraie gauche, euh, se montre inconséquente sur des questions qui touchent à son identité, à son être même, le, le, le prix à payer euh, peut être euh, énorme. Ça peut être un désastre, je veux dire, de, de très, très grande ampleur. Je conclue en disant trois choses très vite. Hein. Euh, premièrement, euh, il faut un rassemblement. Euh, y compris au niveau électoral pour la présidentielle 2022, de toutes les forces qui sont décidées à ne pas faire, pas seulement ce que Tsipras a, a fait en Grèce en 2015, mais avant tout et surtout ce que Hollande a fait en France, ce que la gauche plurielle a fait quand elle était au pouvoir et ce que Mitterrand a fait en 1981. Hein, voilà, sortir véritablement de ce cycle de renoncement et d'échec. Deuxièmement, il faut reconstituer, et ce n'est pas contradictoire avec le, avec le premier, un courant anticapitaliste dans ce pays. Qui prend acte du fait que les organisations qui existent, certaines sur le terrain depuis des décennies, comme Lutte ouvrière, et on, a, on peut avoir beaucoup de respect et d'admiration pour le travail militant et leur, et leur, et leur, et leur contribution, bon, on a vu aussi les limites. Quelque part, il faut faire les bilans. On n'est pas très fort en général sur les, sur les bilans au niveau de la de la gauche radicale, anticapitaliste, révolutionnaire, communiste, etc. Donc la nécessité d'un dépassement de ce qui existe déjà est réelle. À ce niveau-là, je suis d'accord avec ce qu'a dit Daniela. Après, il faut voir concrètement ce qu'on met derrière et où on trace les lignes, de, les, les, les lignes de démarcation. Et troisièmement, il faut remporter des victoires. Euh, immédiate, tout de suite, et inscrire ces victoires dans le mot a été lâché hein, dans un programme de, de transition parce que ce n'est que si on est sur une dynamique où on fait la preuve qu'on est capable de sortir de ces mouvements qui sont importants mais qui n'arrivent pas justement à arracher des succès, même des succès locaux, même des succès partiels, et eh bien on n'avancera pas. On ne peut pas aller tout de suite vers le grand saut si on n'a pas d'abord fait la preuve qu'on peut remporter des victoires, des victoires partielles sur tous les terrains, et il ne faut pas les opposer, sur le terrain des luttes, la lutte des classes classiques, sur le terrain de l'antiracisme, de la politique, et aussi demain sur le terrain électoral. Je vous propose que cette conclusion de Statis, on essaie de la partager. Tout et tout, c'est de se dire, euh, à une prochaine. Il est minuit, il est minuit quatre, euh, il est minuit quatre. Nathalie Arthaud euh, ah, va, va tomber par terre. On, on a tiré à la base, c'était 22h30, 23h. Au final, il est minuit quatre et, et, et très Très sincèrement, il y, a, il, y a, il y a encore de quoi il y a faire. Je suis d'accord avec tout le monde. Euh, il y a encore métros, non, juste, le juste, si vous me permettez, juste pour, pour conclure avec, avec, avec Aude, euh, remercier toutes celles et ceux qui euh, ont regardé d'abord ce live depuis 19h. Certains ont peut-être fait toute la soirée, je ne sais pas. Euh, en tout cas, merci à celles et ceux qui étaient là. C'était un exercice très compliqué euh, pour Aude et moi et aussi avec. Euh, Beaucoup de fatigue et voilà et je voulais surtout remercier l'ensemble de l'équipe technique de, de Quartier Général, de Révolution Permanente. Ils sont là depuis cet après-midi, parfois peut-être même un peu plus tôt, pour pouvoir se mettre en place et faire en sorte qu'il y, y ait une émission de qualité et, 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 et que tout se passe bien. Et, et voilà. je voulais aussi, parce qu'on l'a pas assez fait au cours de ces quatre heures, remercier la base, base oui. Rubicha à Paris qui nous accueille ce et soir. Ce et il faut les soutenir. Ils ont une page Facebook. Vous pouvez vous y rendre parce que la crise du Covid est très dure pour eux aussi. Voilà. voilà. Et comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est le 1er décembre 2020 et on voulait également dédier cette émission dans sa globalité à Zineb Redouane qui a été assassinée par les mains de la police. Mais cette, gre cette grenade qui est tombée dans, dans, dans son salon et qui l'a asphyxiée et qui est morte, on a une, une grosse pensée pour elle. L'ensemble des réprimés. Euh, des quartiers populaires du mouvement Évrouillé et pas que, et toutes celles et ceux qui euh, euh, luttent encore et qui parfois se font euh, embarquer euh, par la police dans les, et encore dans les dernières mobilisations. Et on rappelle aussi que le samedi qui arrive, le samedi 5 décembre, est une date de mobilisation extrêmement importante contre la loi sécurité globale et les violences policières. Euh, un grand combat a été déjà remporté dans la rue le week-end oui. dernier, on l'a tous euh, salué. C'est le moment de, de concrétiser et de remporter euh, une victoire. Voilà. voilà. On vous dit à très bientôt. Merci à tous. Euh, demain, donc, vous retrouvez euh, l'émission, les deux morceaux de l'émission sur le site de QG et sur Évolution permanente et le et texte d'Alain Badiou aussi. Badiou. Voilà. Bonne Merci soirée. Merci à, à tous. Merci. À